rendu à la première tâche, au chapitre 20. Désolé pour ma tête fatiguée, je suis vraiment fatigué. Genre j'ai passé une semaine assez... T'y compte, genre j'étais du matin et vraiment ça a été très dur. Mais ça va. It's ok, j'ai un travail tout, on va pas se plaindre quand même. Et coucou Calou, comment ça va? Comment vas-tu? Et là j'étais en week-end, du coup j'ai un peu décompressé, mais du coup un peu fatigué quand même. Et je reprends demain du coup. De nuit. Je vais être explosé encore, mais ça va, it's ok. It's ok, it's ok. Du coup tu vas bien, tu restes un petit peu Calou. Ou tu fais que passer? Bon, et ben nous, on va peut-être commencer... Puisque j'ai rien trop à vous raconter ce soir. Et du coup, enfin, par une histoire, ce qui est déjà pas mal en soi. Donc, on va y retourner. Installez-vous bien. Surtout si vous êtes prêts à dormir. Chapitre 20, la première tâche. Harry se leva le dimanche matin et s'habilla si distraitement qu'il lui fallut un certain temps pour s'apercevoir qu'il essayait d'enfiler son chapeau sur son pied au lieu d'une chaussette. Je vais bien, je vais bien. Ok, super, merci beaucoup, Calou. Lorsqu'il eut enfin réussi à mettre tous ses vêtements à l'endroit prévu, il se hâta d'aller chercher Hermione et la vit assise dans la grande salle, à la table des Gryffondor, où elle prenait son petit déjeuner en compagnie de Ginny. Il avait l'estomac trop noué, de manger quoi que ce soit, et attendit qu'Hermione ait avalé sa dernière cuillère de porridge avant de la traîner dans le parc pour une nouvelle promenade. Pendant qu'il faisait le tour du lac, il lui raconta l'épisode des dragons et tout ce que Sirius lui avait dit. Hermione fut effrayée par ses révélations sur Karkaroff, mais elle pensait à juste titre que c'était les dragons qui constituaient la menace prioritaire. On va commencer par essayer de te garder en vie jusqu'à mardi soir, dit-elle, d'un ton où, on pouvait percevoir le désespoir. Ensuite seulement, on s'inquiétera de Karkaroff. Ils virent trois fois le tour du lac, en s'efforçant de trouver un sortilège qui suffirait à neutraliser un dragon. Mais rien ne leur venait à l'esprit, et ils finirent par se réfugier à la bibliothèque. Harry prit tous les livres qu'il put trouver sur les dragons, et ils se mirent à parcourir des centaines de pages. Sortilège coupe-griffe, traitement contre la cale des écailles. Ça, c'est pour les cinglés dans le genre de Hagrid qui veulent les conserver en bonne santé. Les dragons sont extrêmement difficiles à abattre en raison d'une très ancienne protection magique qui imprègne leur peau épaisse que seuls les sortilèges les plus puissants peuvent arriver à percer. Pourtant, Sirius t'a dit qu'il était très facile de s'en débarrasser. Dans ce cas, essayons les livres sur les sortilèges les plus simples, dit Harry, en refermant les hommes qui aimaient beaucoup trop les dragons. Il revint à la table avec une pile de livres de sortilèges divers et commença à les feuilleter systématiquement. À côté de lui, Hermione chuchotait d'incessants commentaires. Ça, ce sont des sortilèges de transfert, mais à quoi ça pourrait bien servir, à moins de lui transférer de la guimauve à la place des crocs pour le rendre moins dangereux. L'ennui, c'est que, comme il était dit dans l'autre livre, il n'y a pas grand-chose qui puisse percer la peau de dragon. Tu pourrais toujours essayer un sortilège de métamorphose, mais comment faire pour transformer quelque chose d'aussi con? Je ne sais même pas sûr que le professeur McGonagall y parviendrait. À moins qu'on applique le sortilège à soi-même, pour acquérir des pouvoirs exceptionnels, par exemple. Mais des ordres très compliqués à jeter, nous ne les avons encore jamais étudiés en classe. Je les connais simplement parce que j'ai passé des examens blancs pour me préparer au puce. Hermione, dit Harry, entre ses dents serrées, est-ce que tu voudrais bien te taire, s'il te plaît? J'essaye de me concentrer. Mais lorsque Hermione cessa de parler, Harry sentit son cerveau envahi d'une sorte de bourdonnement sans fin qui ne laissait aucune place à la concentration. Il consulta inutilement l'index des maléfices de base pour sorciers, pensées et contrariés. Arrachage instantané des cheveux. Mais les dragons n'avaient pas de cheveux. Haleine pimentée, cela ne ferait qu'accroître la puissance du feu du dragon. Langue de corne,
Il n'aurait plus manqué que ça. Donner au monstre une arme supplémentaire. Oh non, le revoilà. Pourquoi est-ce qu'il reste pas dans son stupide bateau pour lire dire bien tantôt irrité? Victor Krum venait d'entrer dans la bibliothèque de la démarche traînante. Il leur jeta un regard maussade et alla s'installer à l'autre bout de la salle avec une pile de livres. Bien Harry, on retourne à la salle commune. Son fan club ne va pas tarder à débarquer et à nous glousser dans les oreilles. En effet, lorsqu'ils sortirent de la bibliothèque, une bande de filles les croisa sur la pointe des pieds. L'une d'elles portait autour de la taille une écharpe aux couleurs de la Bulgarie. Harry dormit à peine cette nuit-là. Lorsqu'il se réveilla, le lundi matin, il envisagea sérieusement, pour la première fois depuis qu'il était entré, de s'enfuir de Poudlard. Mais en contemplant la grande salle, petit déjeuner, il comprit que quitter ce château signifiait pour lui et sut qu'il ne pourrait jamais y résoudre. C'était le seul endroit où il avait jamais été heureux. Sans doute avait-il également été heureux avec ses parents, mais c'était une période de sa vie dont il ne gardait aucun souvenir. D'une certaine manière, avoir la certitude qu'il préférait encore être ici et faire face à un dragon que de se retrouver à Blue Drive avec les Dudley avec quelque chose de réconfortant. Et il se sentit un peu plus calme. Merci pour le nouveau follow. Merci beaucoup. Il avala avec difficulté ses yeux au lard. Sa gorge était un peu serrée. Et vit Cédric Diggory quitter la salle, la table des Poufsouffles, tandis que lui-même et Hermione se levaient pour partir. Cédric ne savait toujours rien des dragons. C'était le seul champion qui ignorait encore ce qu'il attendait. Si toutefois, Harry ne se trompait pas en pensant que Madame Maxime et Karkaroff avaient également averti Fleur et Crum. Hermione, je te retrouve à la serre, dit Harry, qui venait de prendre sa décision en voyant Cédric sortir de la grande salle. Vas-y, je te rejoins. Harry, tu vas être en retard. La cloche est sur le point de sonner. Je te rejoins, d'accord ? Lorsque Harry fut arrivé au pied de l'escalier, entouré d'un groupe d'amis, Cédric était déjà monté les marches, entouré d'un groupe d'amis de sixième année. Harry ne voulait pas lui parler devant eux. Il faisait en effet partie de ceux qui ne perdaient jamais une occasion de lui citer des passages de l'article de Rita Skeeter. Il suivit Cédric de loin et vit qu'il se dirigeait vers le couloir des enchantements. Harry eut alors une idée. Il s'arrêta à bonne distance, sortit sa baguette magique et visa soigneusement. « Crac-patabou » murmura-t-il. Aussitôt, le sac de Cédric se déchira en deux. Les rouleaux de parchemin, les plumes et les livres qu'il contenait se répandaient sur le sol et des bouteilles d'encre se brisèrent en tombant. « Merci pour le follow, bienvenue. »« Laissez, je m'en occupe, » dit Cédric d'un ton exaspéré à ses amis, qui se penchaient pour l'aider à ramasser ses affaires. « Dites à Flitwick que j'arrive, allez-y. » C'était exactement ce que Harry avait espéré. Il remit sa baguette dans sa poche, attendit que les amis de Cédric aient disparu dans leur salle de classe et courut le long du couloir. « Salut, » dit Cédric, en ramassant son manuel de métamorphose avancé, qui était à présent taché d'encre. « Mon sac vient de se déchirer, un sac tout neuf. » « Cédric, » dit Harry, « la première tâche, c'est d'affronter des dragons. » dit Cédric en levant la tête. « Des dragons !» répéta Harry, en parlant très vite au cas où le professeur Flitwick sortirait dans le couloir pour voir où était Cédric. Il y en a quatre, un pour chacun, et il voit arriver à passer devant eux sans se faire brûler. Cédric le regarda fixement, et Harry vit briller dans ses yeux gris un peu de la panique qu'il avait lui-même ressentie depuis la nuit du samedi. « Tu es sûr ?» dit Cédric à voix basse. « Absolument certain, je les ai vus. »« Mais comment l'as-tu découvert ?»« Normalement, on ne doit pas savoir. »« Peu importe, » dit immédiatement Harry. Il savait que Hagrid aurait des ennuis s'il révélait la vérité. « Mais je ne suis pas le seul à savoir, » poursuivit-il. « Leur écrume doit sûrement être au courant à l'heure qu'il est. »« Maxime et Karkaroff ont vu les dragons eux aussi. » Cédric se releva, les mains pleines de plumes, de parchemins et de livres tachés d'encre. Son sac déchiré, pendant sur son épaule. Il regarda Harry droit dans les yeux d'un air perplexe, presque soupçonneux. « Pourquoi tu me dis ça ?» demanda-t-il.
Harry le contempla d'un air incrédule. Il était convaincu que Cédric lui aurait pas posé cette question si lui-même avait vu les dragons. Harry n'aurait jamais laissé personne, même son pire ennemi, affronter ces monstres sans s'y être préparé, sauf peut-être Rogue ou Malfoy. C'est simplement plus tenant, dit-il. Maintenant, on sait tous ce qui nous attend. Nous sommes à égalité. Cédric continuait de le regarder d'un air un peu méfiant lorsque Harry entendit derrière lui un claquement familier. Il se retourna et vit Maugrey Voileuil sortir de la salle de classe. « Viens avec moi, Potter, grogna-t-il. Toi, tu t'en vas, dit Gory. » Harry regarda Maugrey avec appréhension. Avait-il surpris leur conversation ? Professeur, j'ai un cours de botanique. Aucune importance, Potter, viens dans mon bureau. » Harry le suivit en se demandant ce qui allait lui arriver. Et si Maugrey voulait absolument savoir comment il avait découvert les dragons, irait-il voir Dumbledore pour dénoncer Hagrid, ou se contenterait-il de transformer Harry en fouine ? Peut-être serait-il plus facile de passer devant un dragon sous forme de fouine, pensa sombrement Harry. Il serait beaucoup plus petit, plus difficile à avoir d'une hauteur de 15 mètres. Maugrey le fit entrer dans son bureau et referma la porte. Puis, il se tourna vers Harry et le regarda, ses deux yeux, la magie, le magique et le normal fixés sur lui. « C'était très loyal de ta part ce que tu viens de faire, Potter, » dit Maugrey à voix basse. Harry ne sut que répondre. Il ne s'était pas du tout attendu à une telle réaction. « Assieds-toi, » dit Maugrey. Harry obéit en jetant un coup d'œil autour de lui. Il était déjà venu dans ce bureau en compagnie des deux précédents occupants. Au temps du professeur Lockhart, les murs étaient recouverts de photos de Lockhart lui-même, souriant et lançant des clins d'œil à ses visiteurs. Lorsque c'était Lupin qui y habitait, on y trouvait plus volontiers une quelconque créature maléfique dont il s'était procuré un spécimen pour l'étudier en classe. À présent, le bureau était plein d'objets extrêmement étranges que Maugrey avait dû utiliser à l'époque où il était aurore. Il y avait sur sa table une sorte de grosse toupie en verre craquelé. Harry reconnut aussitôt un scrutoscope. Il en possédait un lui-même, mais beaucoup moins grand que celui-là. Dans un coin sur une petite table était posé un objet qui ressemblait à une antenne de télévision en or, particulièrement contournée, qui émettait un léger bourdonnement. Un miroir ou quelque chose de semblable était accroché au mur, mais il ne reflétait rien. On y voyait se mouvoir des silhouettes sombres dont aucune ne se dessinait nettement. « Tu t'intéresses à mes détecteurs de magie noire ?» dit Maugrey en observant Harry avec beaucoup d'attention. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Harry en montrant l'antenne d'or. « Un capteur de dissimulation. Il se met à vibrer dès qu'il décèle des mensonges ou trahisons. Ici, bien sûr, il ne sert à rien. Il y a trop d'interférences. C'est plein d'élèves qui inventent des mensonges pour essayer de ne pas faire leur devoir. Il n'a pas arrêté de bourdonner depuis que je suis arrivé au château et j'ai dû neutraliser mon scrutoscope parce qu'il sifflait sans cesse. Il est très sensible. Il peut capter ce qui se passe à plus d'un kilomètre à la ronde. Bien entendu, il est possible qu'il capte aussi d'autres choses que les simples histoires de collégiens, ajouta-t-il dans un grognement. Et le miroir, il sert à quoi ? Oh ça, c'est une glace à l'ennemi. Tu les vois, là, qui rôdent tout autour. Je ne risque pas grand-chose tant que je ne vois pas le plan de leurs yeux. Et à ce moment-là, mal. Il laissa échapper un petit rire guttural et montra du doigt la grande malle qui se trouvait sous la fenêtre. Elle comportait sept serrures alignées, l'une à côté des autres. Harry se demandait ce qu'il y avait dedans lorsque Maugrey lui posa une question qui le ramena brutalement sur terre. Alors, tu es au courant pour les dragons ? Harry hésita. C'était la question qu'il redoutait, mais il n'avait pas dit à Cédric que Hagrid avait violé la règle et ne le dirait pas davantage à Maugrey. Oh, ça n'a pas d'importance, reprit Maugrey, qui s'assit en poussant un grognement en tendant sa jambe de bois. Tricher fait partie des traditions du tournoi des droits de sortie. Personne ne s'en est jamais privé. Je n'ai pas triché, répliqua sèchement Harry. Je l'ai découvert par
une sorte de hasard. Maugrey eut un sourire. Je ne t'accuse pas, bonhomme. Je l'ai dit à Dumbledore dès le départ. Il peut avoir de toute l'élévation morale qu'il voudra. Ce n'est pas ça que Karkaroff et Madame Maxime recherchent. Chercheront à l'imiter, pardon. Et ils ont sûrement dit tout ce qu'ils savaient sur leur champion. Ils veulent gagner. Ils veulent battre Dumbledore. Ils aimeraient bien prouver que ce n'est qu'un homme. Maugrey eut un rire rocailleux et son œil magique se mit à tourner à une telle vitesse que Harry avait le vertige. Alors, tu as une idée de la façon dont tu vas t'y prendre pour affronter ton dragon ? Demanda Maugrey. Ah. Bon. Je ne vais pas te donner le moyen d'y arriver, dit Maugrey d'un ton bourru. Je ne vais pas faire de favoritisme. Je vais simplement te donner des conseils d'ordre général. La première chose, c'est d'exploiter tes propres. Je n'en ai pas, dit Harry, presque machinalement. Je te demande pardon, grogna Maugrey. Si je te dis que tu en as, c'est que tu en as. Réfléchis un peu. En quoi es-tu le meilleur ? Harry essaya de se concentrer. En quoi était-il le meilleur ? La réponse n'était pas difficile. En Quidditch, dit-il d'un air sombre. Et je ne vois pas en quoi ça va m'aider. Exact, dit Maugrey. En le regardant fixement, son œil magique, presque immobile. Tu sais magnifiquement voler sur un balai d'après ce qu'on m'a dit. Oui, mais je n'ai pas le droit d'avoir un balai. Je n'aurai que ma baguette magique. Mon deuxième conseil, l'interrompit Maugrey, d'une voix forte, c'est d'utiliser un sortilège très simple qui te permettra d'obtenir ce dont tu as besoin. Harry le regarda sans comprendre. De quoi aurait-il besoin ? Allons, bonhomme, murmura Maugrey. Essaye de relier les choses entre elles, ce n'est pas si difficile. Et le déclic se fit. C'était sur un balai volant qu'il était le meilleur. Il devait donc choisir la voie des airs pour passer devant le dragon. Pour cela, il aurait besoin de son éclair de feu. Et pour avoir son éclair de feu, il lui faudrait... Hermione, murmura Harry, lorsqu'il se fut précipité à la serre numéro 3, quelques minutes plus tard, en s'excusant rapidement auprès du professeur Jouraf pour son retard. Hermione, il faut absolument que tu m'aides. Et qu'est-ce que j'essaye de faire à ton avis, chuchota-t-elle. Ses yeux ronds lancèrent un regard anxieux par-dessus la plante à pillapion qu'elle était en train de tailler. Hermione, il faut que demain après-midi, je sois capable d'utiliser convenablement un sortilège d'attraction. Attendez, je vais juste vous changer. Ça marche pas. Alors on va faire comme ça, voilà. Ça, vous avez le doudou. Et ils se mirent donc au travail, renonçant à déjeuner. Et ils allèrent s'enfermer dans une classe libre où Harry essaya de toutes ses forces de faire voler des objets vers lui. Mais il avait toujours de sérieuses difficultés. Le livre et les plumes semblaient perdre courage à mi-chemin et tombaient sur le sol comme des pierres. Concentre-toi, Harry, concentre-toi. Et qu'est-ce que tu crois que je fais ? Répliqua Harry avec colère. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une très nette tendance à avoir un gros dragon répugnant dans ma tête. Bon, je recommence. Il voulait sauter le cours de divination pour s'entraîner plus longtemps, mais Hermione refusa tout net de manquer son cours d'arithmancie, et il ne servait à rien de continuer sans elle. Il lui fallut donc supporter pendant plus d'une heure le professeur Trelawney, qui passait la moitié du cours à expliquer que l'actuelle position de Mars par rapport à Saturne signifiait que les gens nés en juillet se trouveraient en grand danger de mort, de mourir brusquement d'une mort violente. Très bien, dit Harry, en perdant son calme. Du moment que ça va vite, c'est tout ce que je demande. Je n'ai pas envie de souffrir. Pendant un instant, donna l'impression qu'il allait éclater de rire. Pour la première fois depuis longtemps, il croisa le regard de Harry. Celui-ci le gardait encore de rancune pour y faire trop attention. Harry passa le reste du cours à agiter sa baguette magique sous la table pour essayer d'attirer vers lui de petits objets. Il parvint à faire voler une mouche droit sur sa main, mais il n'était pas sûr que le sortilège d'attraction y soit pour quelque chose. La mouche était peut-être tout simplement stupide. Après le cours de divination, il s'obligea à manger quelque chose, puis retourna dans la salle de classe vide avec Hermione, se couvrant de la cape d'invisibilité pour ne pas être vu des professeurs.
à s'entraîner jusqu'à minuit. Il serait resté plus longtemps, mais Peeves surgit et fit mine de croire que Harry avait envie qu'on lui lance des objets à la figure. Trop heureux de pouvoir se livrer à son passe-temps favori, il se mit à jeter des chaises à travers la pièce, obligeant Harry et Hermione à fuir à toutes jambes avant que le vacarme n'attire Ruisard. Ils retournèrent directement dans la salle commune de Gryffondor qui, à leur grand soulagement, était vide. À 2 heures du matin, Harry, debout près de la cheminée, était entouré d'un amas d'objets, livres, plumes, chaises renversées et le crapaud de Neville Trevor. Ne fut qu'un cours de la dernière heure d'entraînement qu'il parvint enfin à maîtriser le sortilège d'attraction. C'est mieux, Harry, beaucoup mieux, dit Hermione, qui paraissait épuisée mais ravie. Maintenant, on sait ce qu'il me reste à faire la prochaine fois que je n'arriverai pas. En lançant à Hermione un dictionnaire de runes pour faire un nouvel essai. Il suffit de me menacer avec un dragon. Bon, allons-y. Il leva à nouveau sa baguette. Axio dictionnaire, dit-il. Le lourd volume s'échappa des mains d'Hermione et vola à travers la pièce en direction de Harry qui l'attrape. Harry, je crois que cette fois, ça y est, dit Hermione d'un ton réjoui. Espérons que ça marchera demain, soupira Harry. L'éclair de feu se trouve beaucoup plus loin que les objets qui sont dans cette pièce. Il sera dans le château, et moi je serai à l'autre bout du parc. Ça ne fait rien, dit fermement Hermione. Du moment que tu te concentres vraiment, il arrivera. Et maintenant, allons dormir. Tu en as bien besoin. Je me réinstalle juste, j'arrive. Vers l'endroit où étaient rassemblés les dragons, à la lisière de la forêt.
Mais ils s'approchèrent du bosquet d'arbres derrière lesquels se trouvait l'enclos. Harry vit une tente avait été dressée, cachant les dragons. Vous devez entrer par là, avec les autres champions, et attendre votre tour, Potter, dit le professeur McGonagall, d'une voix un peu tremblante. Monsieur Verbet vous attend sous la tente. Il va vous expliquer la procédure à suivre. Bonne chance. Merci, répondit Harry d'une voix blanche et lointaine. Le professeur McGonagall le laissa devant la tente et Harry entra à l'intérieur. Fleur de la Cour était assise dans un coin, sur un tabouret de bois. Le front moite, elle avait perdu son air assuré et paraissait plutôt pâle. Victor Crumb semblait plus renfrogné que jamais, ce qui devait être sa façon d'exprimer son appréhension, songea Harry. Cédric, lui, faisait les 100 pas. Lorsqu'Harry entra, il lui adressa un petit sourire. Harry sourit à son tour, mais il en ressentit une certaine raideur dans les muscles de son visage, comme s'il n'était plus habitué à ce mouvement. « Ah, mais qui voilà ?» Harry s'exclama vers Ben, d'un ton joyeux en se tournant vers lui. « Entre, entre, fais comme chez toi. » Au milieu de tous ces champignons, autant livides, l'air d'un personnage de dessin animé haut en couleur. Cette fois encore, il avait vêtu de sa vieille robe de l'équipe des Frelons. Ça y est, tout le monde est là. Il est donc temps de vous mettre au courant, dit Verbet d'un ton enjoué. Lorsque le public se sera installé, je vous demanderai de piocher à tour de rôle dans ce sac. Il leur montra un petit sac de soie pourpre qu'il agita devant eux. Vous y prendrez chacun un modèle réduit de la chose que vous devrez apporter tout à l'heure. Il y en a différentes variétés. Il faut aussi que je vous dise une chose. Oui, votre tâche consistera à vous emparer de l'œuf d'or. Harry regarda autour de lui. Cédric hocha la tête pour montrer qu'il avait compris et recommença à faire les 100 pas. Il avait le teint légèrement verdâtre. Lors de la cour et Crumb n'eurent aucune réaction. Il craignait peut-être que le seul fait d'ouvrir la bouche les rende malades. C'était en tout cas ce que Harry lui-même ressentait. Mais eux, au moins, s'étaient portés volontaires pour le tournoi. Et soudain, des centaines d'élèves affluèrent au dehors. On entendait le martèlement de leurs pas devant la tente, leur conversation surexcitée, leur rire, leur plaisanterie. Harry se sentait si loin d'eux qu'il avait l'impression d'appartenir à une autre espèce. Entre l'arrivée du public et le moment où Verbet ouvrait le sac de soie pourpre, il lui sembla qu'il s'était écoulé tout juste une seconde. Les dames d'abord, dit Verbet, en présentant le sac à fleurs. Elle y plongea une main tremblante et en retira une miniature de dragon parfaitement imité. C'était un ver gallois. Le chiffre 2 était accroché autour de son cou. Expression de fleur qui ne manifesta aucune surprise, mais plutôt une détermination résignée. Harry sut qu'il avait vu juste. Madame Maxime lui avait dit ce qu'il attendait. Il se produisit la même chose avec Crumb. Il sortit le bout de feu chinois aux couleurs écarlates. Le chiffre 3 était accroché autour de son cou. Crumb n'eut même pas un battement de cils. Il se contenta de regarder le sol. À son tour, Cédric glissa la main dans le sac et en sortit le Suédois à museau court aux couleurs gris-bleu. Il portait le chiffre 1 autour de son cou. Sachant ce qui restait, Harry plongea la main dans le sac et prit le maquillard à pointe qui portait le numéro 4. Lorsque Harry le regarda, le dragon miniature étendit ses ailes et lui montra ses crocs minuscules. « Eh bien, nous y voilà, » dit Verbet. « Vous avez chacun tiré au sort le dragon que vous devrez affronter, et le chiffre de chacun porte autour du cou indique l'ordre dans lequel vous allez accomplir cette première tâche. Maintenant, il va falloir que je vous quitte, car c'est moi qui fais le commentaire. Monsieur Diggory, vous êtes le premier. Lorsque vous entendrez le coup de sifflet, vous sortirez de la tente et vous entrerez dans l'enclos où vous attendra le dragon. D'accord ? Ah, est-ce que je pourrais te voir un instant ?» Oui, dit Harry, en se demandant ce qu'il voulait. Il sortit de la tente avec Verbet, qui l'emmena un peu à l'écart parmi les arbres. Puis,
se tourna vers lui avec une expression paternelle. « Ça va, Harry, tu te sens bien? Je peux faire quelque chose pour toi. »« Comment ?»« Dis Harry, je... non, rien. »« Tu as un plan ?» demanda Verbeil, en baissant la voix d'un ton de conspirateur. « Si tu as besoin de quelques tuyaux, n'hésite pas. Tu es l'outsider, » poursuivit Verbeil, en baissant la voix davantage. « Si je peux t'aider... » Non, répondit Harry si précipitamment qu'il eut conscience d'avoir été impoli. Non, j'ai déjà décidé ce que j'allais faire, merci. Personne n'en saura rien, insista Verbeil, en lui adressant un clin d'œil. Je vous assure que je vais très bien, dit Harry. Il se demanda pourquoi il s'obstinait à donner cette réponse à tout le monde et se demanda également s'il s'était jamais senti aussi mal. Je sais déjà ce que je vais faire, répéta-t-il. Il fut interrompu par un coup de sifflet. Mon Dieu, il faut que je file, s'exclama Verbeil, qui s'éloigna en toute hâte. Harry retourna vers la tente et fit Cédric qui en sortait, le teint plus verdâtre que jamais. Harry essaya de lui souhaiter bonne chance en le croisant, mais elle ne parvint à émettre qu'une sorte de grognement rauque. Harry rejoignit Fleur et Crumb sous la tente. Quelques secondes plus tard, ils entendirent les acclamations de la foule, ce qui signifiait que Cédric venait de pénétrer dans l'enclos et se trouvait face au dragon, qui n'avait plus rien d'une miniature à présent. C'était pire que tout ce que Harry avait imaginé. Assis là, immobile, il entendait la foule crier, hurler, pousser des exclamations, retenir son souffle au spectacle des efforts de Cédric pour passer son dommage devant le Suédois à Musoku. On aurait dit que les spectateurs ne formaient plus qu'une seule et même entité aux têtes multiples qui réagissaient tous d'une même voix. Crumb continuait de regarder le sol. Fleur, elle aussi, s'était mise à faire les 100 pas autour de la tente sur les traces de Cédric. Et les commentaires de Verbeil ne parvenaient qu'à rendre les choses plus terribles encore. Les images se formèrent dans la tête de Harry lorsqu'il entendit « Oh là là !» C'était tout juste, vraiment tout juste. On peut dire qu'il prend des risques celui-là. Très belle tentative. Dommage qu'elle n'ait rien donné. Un quart d'heure plus tard, Harry entendit le rugissement assourdissant de la foule qui ne pouvait signifier qu'une chose. Cédric avait réussi à passer devant le dragon et à s'emparer de l'œuf d'or. Bravo, vraiment très bien, hurla Verbeil. Voyons maintenant les notes des juges. Mais il n'annonça pas les notes. Harry supposa que les juges devaient l'écrire sur des panneaux qu'ils montraient au public. Encore trois autres concurrents à présent, s'écria M. Verbeil, tandis que retentissait un autre coup de sifflet. Miss de la cour, s'il vous plaît. Fleur tremblait de la tête aux pieds. En la voyant sortir de la tente, la tête haute, la main grippée sur sa baguette magique, Harry ressentit plus de sympathie pour elle qu'il n'en avait éprouvé jusqu'à présent. Crumb et lui restèrent seuls, chacun de son côté, évitant le regard l'un de l'autre. Et tout recommença. Oh, voilà qui n'était pas très prudent, entendait-il Verbeil crier d'un ton ravi. Oh là là, presque, attention maintenant. Mon Dieu, j'ai bien cru qu'elle y était. 10 minutes plus tard, Harry entendit une nouvelle voix. La foule explosait dans un tonnerre d'applaudissements. Fleur avait dû également réussir. Il y eut un silence pendant qu'un montrait les notes qu'elle avait obtenues. Puis, de nouveaux applaudissements. Et enfin, un troisième coup de sifflet retentit. Voici à présent Monsieur Crumb, s'exclama Verbeil. Crumb sortit de son pas traînant, laissant Harry seul dans la tente. Il avait une plus grande conscience de son corps qu'à l'ordinaire. Son cœur battait plus vite. Ses doigts était parcouru de fourmillements, comme si la peur circulait dans ses veines. Pourtant, il avait en même temps l'impression d'être ailleurs, hors de lui-même. La toile de la tente, les réactions de la foule lui paraissaient très lointaines. Très audacieuse, s'écria Verbeil. Harry entendit le bout de feu chinois émettre un horrible hurlement, tandis que la foule retenait son souffle. On peut dire qu'il n'a pas vos yeux, et... Mais oui, il a réussi à s'emparer de la feu. Les applaudissements retentirent avec tant de force dans l'atmosphère glacée de l'hiver qu'il semblait la briser comme du cristal. Crumb avait fini à tout moment, se
ce serait le tour de Harry. Il se leva avec l'impression d'avoir les jambes qui mouvent et attendit. Quelques instants plus tard, le coup de sifflet retentit et il sortit de la tente avec un crescendo de panique. Il passa devant le bosquet d'arbres, puis franchit une ouverture dans la palissade qui entourait l'enclos. Ce qu'il voyait devant lui avait l'air de sortir d'un rêve aux couleurs aveuglantes. Des centaines et des centaines de visages le regardaient dans les tribunes qui avaient été dressées par magie depuis la nuit où il était venu ici la première fois. Le magar à pointe lui faisait face à l'autre bout de l'enclos. Le dragon, ou plutôt la dragonne, couvrait ses yeux. Les ailes à demi refermées sur ses yeux jaunes et féroces, fixées sur lui. Tel un monstre lézard aux écailles noires, elle agitait sa queue hérissée de pointes qui imprimait dans le sol dur des marques longues et profondes. La foule s'époumonnait dans un grand tumulte. Harry ignorait si ses cris lui étaient favorables ou hostiles, et peu lui importait. Le moment était venu de faire ce qu'il avait à faire, de concentrer pleinement, totalement, son esprit sur ce qui représentait sa seule chance. Il leva sa baguette magique. Axio éclair de feu, cria-t-il. Ah bah viens. Oui, ça va bien, Pikachu et toi, ça va bien. Puis, il attendit, espérant, priant, de toutes les fibres de son corps. Et si le sortilège échouait, si l'éclair de feu ne venait pas, tout ce qu'il voyait autour de lui semblait déformé par une sorte de barrière transparente, scintillante comme une brume de chaleur, derrière laquelle les centaines de visages qui l'entouraient avaient l'air de flotter étrangement. Enfin, il l'entendit. Puis, il se retourna et vit l'éclair de feu contourner la lisière de la forêt, foncer vers l'enclos et s'arrêter net à mi-hauteur juste à côté de lui, attendant qu'il l'enfourche. Le tumulte de la foule s'amplifia. Verbeck cria quelque chose, mais les oreilles de Harry n'étaient plus en état d'entendre ce qu'il disait. Il ne servait à rien de l'écouter. Harry monta sur son balai et s'envola aussitôt. Il se produisit un phénomène qui tenait du miracle. Lorsqu'il s'éleva dans les airs, lorsqu'il sentit le vent ébouriffer des cheveux, lorsque les visages de la foule ne furent plus que des têtes d'épingles au-dessous de lui, lorsque la dragonne se retrouva réduite à la taille d'un chien, il se rendit compte que ce n'était pas seulement le sol qu'il venait de quitter, mais aussi sa peur. Tout à coup, il retrouva son élément familier. Il s'agissait d'un nouveau match de Quidditch, rien de plus. Un simple match de Quidditch, et cette dragonne n'était qu'une équipe adverse particulièrement repoussante. Il regarda la couvée 2 que le magyar à pointe se protégeait entre ses pattes et repéra l'œuf d'or qui étincelait au milieu des autres, semblable à des pierres grises. Très bien, pensa Harry. Une petite tactique de diversion, allons-y. Et il plongea en piqué. La tête de la dragonne suivit ses trajectoires. Il savait ce qu'elle allait faire et il remonta en chandelle juste à temps. Un jet de flamme jaillit à l'endroit où s'était trouvé une seconde plus tôt. Pas inquiet. Difficile que d'éviter un cognard. Mille méduses, voilà qui s'appelle savoir voler, s'écria Verbeck, tandis que la foule poussait un hurlement pour retenir son souffle. Vous avez vu cela, monsieur Crumb ? Harry reprit de l'altitude et vola en cercle. La dragonne le suivait toujours des yeux, sa tête tournant vers son long cou. S'il continuait comme ça, elle ne tarderait pas à avoir le vertige, mais il valait mieux suivre ce manège trop longtemps, sinon elle allait à nouveau cracher du feu. Il la tête dans le brouillard, me dit. Ah mince, je suis désolé pour toi, Pikachu, du coup. Désolé. Harry fondit en piqué au moment où la dragonne ouvrit sa gueule. Cette fois, cependant, il eut moins de chance. Il parvint à échapper aux flammes, mais la queue hérissée fendit l'air comme un bruit. Et au moment où il virait sur la gauche, l'une des longues pointes lui érafla les poings, déchirant l'étoffe de sa robe de sorcier. Il sentit la douleur, entendit les cris et les grognements qui s'élevaient de la foule, mais la blessure ne paraissait pas très.
tenait, dépliée, puis rabattait ses ailes, ses horribles yeux jaunes toujours fixés sur Harry. Mais elle avait peur de s'éloigner de sa couvée. Il fallait pourtant qu'il la force à s'en écarter, sinon il n'arriverait jamais à s'approcher de l'œuf d'or. Il devait agir prudemment, progressivement. Il se mit à changer sans cesse de direction, en restant à distance pour éviter les jets de flammes, mais en s'approchant suffisamment pour qu'elle se sente menacée et continue de le suivre des yeux. La créature pencha la tête d'un côté, puis de l'autre, montrant ses crocs, ses pupilles verticales fixées sur lui. Il prit peu à peu de l'altitude, et la tête de la dragonne s'éleva en même temps que lui. Son cou, tandis qu'il continuait d'osciller, tel un cobra devant un chasseur, un charmeur de serpents. Pas profite de l'histoire, Pikachu est un peu soulagé. Harry s'éleva encore un peu, et elle laissa échapper un rugissement exaspéré. Pour elle, il était un peu comme une mouche. Une mouche qu'elle avait hâte d'écraser. Sa queue battit l'air à nouveau, mais était hors d'atteinte. Elle cracha un jet de feu qu'il parvint à éviter. Le monstre ouvrit une gueule béante. Elle y fit un diari entre ses dents, en tournoyant tout autour de sa tête pour la tirer. « Viens, viens m'attraper, allez, remue-toi. » Elle se dressa alors sur ses pattes derrière, déploya en ses grandes ailes noires et brillantes, aussi largement que celle d'un petit avion. Harry plongea, avant que la dragonne ait compris ce qu'il était en train de faire et où il était passé. Il piqua vers le sol, de toute la vitesse de son balai, en direction des œufs qu'elle ne protégeait plus que de ses pattes. Harry avait lâché le manche de l'éclair de feu, et il venait de saisir l'œuf d'or. Il remonta en chandelle, puis, dans une nouvelle accélération fulgurante, s'envola vers les tribunes. L'œuf d'or serré dans son bras indemne. Ce fut alors comme si quelqu'un avait brusquement mis le volume à fond. Pour la première fois depuis qu'il avait pénétré dans l'enclos, il prit conscience du bruit de la foule qui hurlait et applaudissait aussi fort que les supporters irlandais de la Coupe du Monde. Regardez ça, non mais regardez ça, hurlait Verbeek. Notre plus jeune champion a été le plus rapide pour s'emparer de son œuf. Voilà qui va faire monter les paris sur Monsieur Potter. Arrivaient les gradins des dragons. Les gardiens des dragons se précipitaient pour neutraliser le magyar à pointe. Là-bas, à l'entrée de l'enclos, le professeur McGonagall, le professeur Maugrey et Harry se précipitaient vers lui, des grands gestes de la main et des sourires si larges qu'on les voyait de loin. Il fit demi-tour au-dessous des stands, le vacarme de la foule résonnant à ses oreilles, et atterrit en douceur, le cœur enfin léger. Il avait accompli la première tâche. Il avait survécu. C'était remarquable, Potter, s'écria le professeur McGonagall, ce qui, venant de sa part, constituait une éloge extraordinaire. Harry remarqua que la main du professeur McGonagall tremblait lorsqu'elle montra du doigt son épaule blessée. Il faut que vous alliez voir Madame Bonnefresh avant que les juges donnent leurs notes. Allez-y, on a déjà soigné Diggory. Tu as réussi, Harry, dit Hagrid d'une voix rauque. Tu as réussi, et contre le magyar en plus. Tu sais que Charlie a dit que c'était le pire. Merci, Hagrid, l'interrompit vivement Harry, pour lui éviter de commettre une gaffe en révélant qu'il lui avait montré les dragons avant l'épreuve. Le professeur Maugrey avait l'air ravi lui aussi. Son œil magique semblait danser dans son orbite. C'était vite fait bien fait, Potter, grogna-t-il. Allez-y, Potter, l'attente des premiers secours est par là, dit le professeur McGonagall. Encore essoufflé, Harry sortit de l'enclos et vit Madame Bonnefresh, l'air inquiet, à l'entrée de la deuxième tente. Des dragons, s'exclama-t-elle d'un air dégoûté, en entraînant Harry à l'intérieur. La tente avait été divisée en plusieurs espaces à l'aide de paravents de toile. Harry distingua la silhouette de Cédric à travers l'un d'eux, mais elle ne semblait pas gravement blessée. Au moins, il était assis, pas couché. Madame Bonnefresh examina l'épaule de Harry, sans cesser de ronchonner. L'année dernière des détraqueurs, cette année des dragons. Qu'est-ce qu'ils vont nous amener l'année prochaine? Avec beaucoup de chance, tu as eu beaucoup de chance. La blessure est très superficielle. Il faut désinfecter avant que je ne le soigne. Elle nettoya la coupure avec une compresse imbibée d'un liquide violet qui fumait et piquait la peau. Puis, elle lui
que sa blessure guérissait instantanément. Maintenant, reste tranquille. Pendant une minute, je t'ai dit de rester assis. Ensuite, tu pourras aller voir ton score. Elle sortit en hâte et rejoignit Cédric juste à côté. Harry l'entendit demander « Comment te sens-tu maintenant, Digori ?» Harry n'avait aucune intention de rester ici. Il avait trop d'adrénaline en lui pour supporter l'idée de se tenir immobile. Et il décida d'aller voir ce qui se passait au dehors. Mais avant qu'il eût atteint l'entrée de la tente, deux personnes s'étaient précipitées à l'intérieur. C'était Hermione, suivie de près par Ron. Harry, tu as été formidable, s'écria Hermione d'une voix perçante. Terrorisée par l'affrontement avec la dragonne, elle s'était enfoncé les ongles dans la peau de son visage, et son visage en portait encore les marques. Tu as été extraordinaire, tu peux me croire. Mais Harry n'écoutait pas. Il regardait Ron, qui était livide, et le fixait, comme s'il avait été un fantôme. Harry, dit-il d'un ton grave. Je ne sais pas qui a déposé ton nom dans la coupe, mais c'est quelqu'un qui veut ta peau. Tout à coup, ce fut comme si les quelques semaines qui venaient de s'écouler n'avaient jamais existé. Comme si Harry revoyait Ron pour la première fois, après avoir été désigné champion. On dirait que tu as fini par comprendre, lança Harry, d'un ton glacial. Il t'en aura fallu du temps. Hermione, mal à l'aise, se tenait entre eux. Son regard passant de l'un à l'autre. Ron ouvrit la bouche d'un air un peu hésitant. Harry savait qu'il s'apprêtait à lui dire de faire des excuses, mais il se rendit soudain compte qu'il n'avait plus envie de les entendre. « Bon, ça va, » dit-il, avant que Ron ait pu prononcer un mot. « N'en parlons plus. »« Non, » répondit Ron, « j'aurais dû... »« N'en parlons plus, je te dis. » Ron eut un sourire gêné. Harry lui rendit son sourire et Hermione fondit en larmes. « Il n'y a aucune raison de pleurer, » s'exclama Harry, déconcerté. « Vous êtes tellement bête !» cria Hermione, en tapant du pied, les lèvres coulantes sur sa robe. Puis, avant que Ron et Harry aient pu faire un geste, elle les serra contre elle et s'enfuit à toutes jambes, en continuant de pleurer à grand bruit. « Complètement cinglé, » dit Ron, en bouchant la tête. « Bien, ils vont donner des notes. » Jamais Harry n'aurait pu croire une heure auparavant qu'il se sentirait aussi euphorique en cet instant. Il prit l'œuf d'or et son éclair de feu. Puis, il sortit de la tente en compagnie de Ron, qui lui raconta précipitamment ce qui s'était passé pour les autres. « Tu as été le meilleur, ça ne fait aucun doute. Cédric a fait un truc bizarre. Il a métamorphosé une pierre qui se trouvait par terre. Il l'a transformée en chien. Il voulait que le dragon s'intéressait au chien plutôt qu'à lui. Comme métamorphose, c'était sacrément réussi. Et ça a failli très bien marcher. Il est arrivé à prendre l'œuf, mais il s'est quand même fait brûler. Le dragon a brusquement changé d'avis, et il a décidé qu'il préférait s'occuper de lui plutôt que du labrador. Mais Cédric s'en est quand même sorti. Après, il y a eu la fille de Bobaton, Fleur. Elle a utilisé une sorte d'enchantement pour faire tomber le dragon en transe. Ça a plus ou moins marché. Le dragon s'est assoupi, mais il s'est mis à ronfler, et il a craché un long jet de flamme qui a mis le feu à sa robe. Heureusement, elle a pu l'éteindre en faisant couler de l'eau de sa baguette magique. Et Crumb, c'est incroyable, mais il n'a même pas pensé à se servir de son balai volant. Mais c'est lui qui a été le meilleur après toi. Il a jeté un sort en plein dans l'œil. L'ennui, c'est que le dragon avait tellement mal qu'il s'est mis à donner des coups de patte dans tous les sens en cassant la moitié de ses vrais œufs. Les juges lui ont enlevé des points à cause de ça. Selon le règlement, les œufs devaient rester intacts. Devant l'enclos des dragons, Ron reprit son souffle. Le maquis à rapunte avait été emmené ailleurs, et à l'autre bout du terrain, les cinq juges assis dans des hauts fauteuils drapés d'étoffes d'or. Chaque juge met une note sur 10, dit Ron. Harry plissa les yeux et vit le premier juge, Madame Maxime, lever sa baguette magique, d'où s'échappa un long ruban d'argent qui s'entortilla et formait un grand 8. Tyron, au milieu des applaudissements de la foule, elle a dû enlever des points à cause de ta blessure à l'épaule. Ce fut ensuite au tour de Monsieur Croupton
de se prononcer. Il lança en l'air le chiffre 9. « Ça se présente bien, » s'exclama Ron, en tenant une coquille dans le dos de Harry. Dumbledore, lui aussi, donna la note de 9. Les applaudissements de la foule doublèrent d'intensité. Ludo Verbe, 10. « 10, » dit Harry, incrédule. « Mais j'ai été blessé. À quoi il joue ?»« Harry, ne te plains pas, » dit Ron d'une voix enthousiaste. Ce fut ensuite Karkaroff qui leva sa baguette. Il réfléchit un moment, puis fit un tour et jaillit un chiffre 4. 4 s'indigna Ron, furieux. 4 cette espèce de crapule plein de boue. Il a donné 10 à Crumb. Mais Harry n'en avait que faire, même si Karkaroff lui avait mis un 0. Il n'y avait accordé aucune importance. À ses yeux, l'indignation de Ron et son ardeur à le défendre valaient au moins 100. Il garda cela pour lui, bien sûr, mais il se sentit soudain le cœur léger en quittant l'enclos. Et ce n'était pas seulement grâce à Ron, car il se rendait compte que les Gryffondors n'étaient pas les seuls à l'acclamer dans les tribunes. Lorsqu'il avait vu l'adversaire qu'il devait affronter, la grande majorité des élèves de l'école l'avaient soutenu. Autant qu'ils avaient soutenu Cédric. Désormais, les Serpentards pouvaient dire ce qu'ils voulaient. Ils restaient indifférents à leurs moqueries. « Tu es promis ex aequo avec Crumb, Harry, » annonça Charlie Weasley, qui courait à leur rencontre. « Il faut que je me dépêche. Je dois absolument envoyer un hibou. Je lui ai promis de lui raconter ce qui se passerait. Mais c'est vraiment incroyable. Ah, chargé de te dire que Verbe voulait te voir dans la tente. » Ron lui promissa de l'attendre dehors, et Harry retourna dans la tente qui lui paraissait à présent chaleureuse et accueillante. Il compara ce qu'il avait ressenti au moment où il esquivait les jets de flammes de la coupe et le coup de queue du maguire à pointe, à l'angoisse qu'il avait éprouvée avant d'affronter le monstre. Bonsoir Tom, comment ça va? Il n'y avait aucun doute possible. L'attente avait été infiniment plus pénible que l'action elle-même. Fleur, Cédric et Crumb entrèrent ensemble. Tout un côté du visage de Cédric était couvert d'une épaisse de couleur orange qui devait sans doute guérir les brûlures. Il eut un nouveau sourire en voyant Harry. Bravo, dit-il. Et bravo à toi. Souriant à son tour. Bravo à tous, exclama Ludo Verbe, qui venait de surgir dans la tente d'un pas bondissant. Il avait la mine aussi réjouie que si c'était lui qui avait réussi à arracher un œuf à un dragon. Et maintenant, quelques petites précisions très rapidement, dit-il. Vous allez avoir largement le temps de souffler avant la deuxième tâche qui aura lieu le 24 février à 9h30 du matin. Mais entre-temps, on va vous donner de quoi réfléchir un peu. Si vous regardez bien les œufs d'or qui sont en votre possession, vous constaterez que vous pouvez les ouvrir. Vous voyez les charnières là? Alors écoutez bien. Ces œufs contiennent une énigme que vous devez élucider pour savoir en quoi consistera la deuxième tâche et comment vous y préparer. Tout est clair? C'est dur? Très bien, vous pouvez partir. Harry rejoignit Ron qui l'attendait devant la tente et tous deux reprirent la direction du château. Harry voulait avoir davantage de détails sur la façon dont les champions s'y étaient pris pour s'emparer des œufs. Mais lorsqu'ils contournèrent le bosquet qui masquait l'enclos, une sorcière surgit de derrière un arbre et se précipita sur eux. C'était Rita Skeeter. Ce jour-là, elle était vêtue d'une robe d'un vert criard assortie à la plume à papote qu'elle tenait à la main. Félicitations, Harry, lança-t-elle en lui adressant un grand sourire. Je voulais te demander si tu pouvais simplement me dire un mot. Qu'as-tu ressenti en affrontant le dragon? Et que ressens-tu maintenant, après avoir vu tes notes? Tu trouves qu'elles sont justes? « Oh oui, je serais ravi de vous dire un mot, » répliqua Harry d'un ton féroce. « Au revoir. » Et ils reprirent le chemin du château, en compagnie de Ron. Et voilà pour le chapitre 20. Maintenant, le chapitre 21. Je bois juste un coup, j'arrive.
le chapitre suivant, il va me plaire. C'est normalement que bah, ça n'apparaît pas du tout dans les films, donc c'est plutôt cool. Chapitre 21, le front de la libération des elfes de maison. Ce soir-là, A et Armin montèrent à la folière que Sigre portait une lettre à Sirius. Harry voulait lui écrire tout de suite qu'il avait réussi à affronter le dragon sans dommage. Sur le chemin, Harry raconta à Ron tout ce que Sirius lui avait révélé sur Karkaroff. Ron parut choqué en apprenant que Karkaroff avait lorsqu'ils furent arrivés dans la volière, il déclara qu'au fond, ils auraient dû s'en douter depuis le début. C'est logique, non, dit-il. Tu te souviens de ce que Malfoy a dit dans le train, que son père était ami avec Karkaroff. Maintenant, on sait comment ils se sont connus. Et ils étaient sûrement ensemble avec une cagoule sur la tête à la Coupe du Monde. En tout cas, si c'est Karkaroff qui a déposé ton nom dans la coupe, il doit se sentir vraiment bête maintenant. Ça n'a pas marché. Tu n'as eu qu'une simple égratignure. Attends que je m'en occupe. Kokosik était tellement excité à l'idée d'avoir du courrier à porter qu'il voltait tout autour de la tête de Harry en ululant sans cesse. Il l'attrapa en plein vol et le maintena immobile pendant que Harry lui attachait la lettre à la botte. Les autres tâches ne seront sûrement pas aussi dangereuses, c'est impossible, reprit Ron, en emmenant Kokosik devant la fenêtre. Tu sais quoi, je crois que tu pourrais très bien remporter ce tournoi, Harry, et je parle sérieusement. Harry savait que Ron disait ça uniquement pour rattraper sa conduite des dernières semaines, mais il fut très touché quand même. Hermione, en revanche, appuyée contre le mur de la volière, croisa les bras et regarda Ron sans les sourcils. Il se passera encore beaucoup de choses avant que Harry ait fini ce tournoi, dit-elle d'un ton grave. C'est ça, la première tâche, je préfère ne pas penser à ce qui viendra après. Toi, au moins, tu sais t'y prendre pour remonter le moral des autres, dit Ron. Un de ces jours, tu devrais faire équipe avec le professeur Trelawney. Il lança Kokosigre au dehors et le petit hibou tomba de plusieurs mètres avant d'arriver à reprendre son vol. La lettre attachée à sa patte était plus longue, donc plus lourde qu'à l'ordinaire. Harry n'avait pas résisté au plaisir de donner à Sirius un compte rendu détaillé de la façon dont il avait réussi à contourner et éviter la dragonne. Bonne nuit, Galo, repose-toi bien. Ils regardèrent Kokosigre disparaître dans l'obscurité. Puis Ron reprit la parole. On ferait peut-être bien de descendre vers la fête en ton honneur. Fred et George ont dû rapporter des tas de choses de la cuisine, alors qu'il est. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la salle commune de Gryffondor, il y eut à nouveau des explosions de cris, d'applaudissements, d'acclamations. Les moindres recoins débordaient de gâteaux et de cruches remplies de jus de citrouille ou de bière au beurre. Lee Jordan avait allumé quelques pétards mouillés du docteur Flibuste. Explosion garantie sans chaleur, qui resplendissait la salle d'étincelles et d'étoiles. Dean Thomas, qu'on savait doué pour le dessin, avait déployé d'immenses banderoles qui représentaient pour la plupart Harry tournoyant sur son éclair de feu au-dessus de la tête du maquillard à pointe. Deux autres dessins montraient Cédric la tête en feu. Harry se servit à manger et s'assit avec Ron et Hermione. Il avait presque oublié ce que signifiait avoir faim et n'arrivait pas à croire que son bonheur. Ron était de nouveau son ami. Il avait accompli la première tâche et il avait 3 mois de libre avant d'affronter la deuxième. Oh là là, mais c'est lourd ce truc, dit Lee Jordan en soupesant l'œuf que Harry avait posé sur la table. Ouvre-le, Harry. Allez, vas-y, qu'on voit un peu ce qu'il y a dedans. Il doit en découvrir la signification tout seul, dit précipitamment Hermione. C'est dans le règlement du tournoi. Je vais aussi découvrir tout seul le moyen de prendre un œuf de dragon, lui murmura Harry. Et Hermione eut un sourire un peu coupable. Ouais, vas-y, Harry, ouvre-le, lancèrent plusieurs voix. Lee lui donna l'œuf. Harry glissa un ongle dans la rainure qui l'entourait et parvint à l'ouvrir. Il était creux et totalement vide, mais dès que Harry l'eut ouvert, un horrible
salle. La seule chose comparable que Harry eut jamais entendue, c'était l'orchestre de scie musicale qui avait joué le jour de l'anniversaire de la mort de Nick Cassis en tête. « Ferme-le !» s'écria Fred, les mains plaquées sur ses oreilles. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit Seamus Finnegan, qui regardait l'œuf que Harry avait refermé d'un coup sec. « On aurait dit le spectre de la mort. C'est peut-être lui que tu devras affronter la prochaine fois, Harry. » On aurait dit qu'on torturait quelqu'un, murmura Neville, qui était devenu livide et avait renversé des saucisses par terre. Ils vont te faire subir le sortilège de Loris, et tu devras y résister. Ce sera ça ta deuxième tâche. Ne raconte pas de bêtises, Neville. C'est illégal, dit George. Il n'utiliserait jamais un sortilège de Loris contre les champions. Mais ça m'a un peu rappelé la façon de chanter de Percy. Tu devras peut-être l'attaquer. Sa douche, Harry. Tu veux une tarte à la confiture, Hermione demanda Fred. Hermione jeta un regard soupçonneux à l'assiette. Qui lui tendait, Fred eut un sourire. Tu peux y aller, dit-il. Je ne leur ai rien fait. Ce sont les crèmes caramel dont il faut se méfier. Neville, qui venait justement de manger une cuillerée de crème caramel, la recracha en s'étouffant à moitié. Fred éclata de rire. Une simple petite farce, Neville. Hermione prit une tarte à la confiture. C'est à la cuisine que tu étais allé chercher tout cela, demanda-t-elle. Ouais, répondit Fred avec un grand sourire, d'une petite voix aiguë. Il se mit alors à imiter un elfe de maison. Dites-nous ce qui vous ferait plaisir, monsieur. Nous irons vous chercher tout ce que vous voudrez. Ils se mettent en quatre. Il serait capable de me faire retirer un peu entier si je leur disais que j'avais vraiment faim. Comment on fait pour aller là-bas, demandait Hermione d'un air dégagé. Oh, c'est facile. Il y a une porte cachée derrière un tableau qui représente une coupe de fruits. Il suffit de chatouiller la poire, elle se met à rigoler et... Fred s'interrompit, l'air soupçonneux. Pourquoi tu veux savoir ça? Oh, pour rien, répondit précipitamment Hermione. Tu as l'intention d'encourager les elfes de maison à faire grève, demanda George. Tu veux leur distribuer des tracts et les inciter à la rébellion. Il y eut quelques rires étouffés, et Hermione resta silencieuse. Ne va pas leur mettre des idées en tête en leur disant qu'il leur faudrait faire des vêtements et des salaires, avertit Fred. Tu les empêcherais de travailler. À cet instant, Neville provoqua une petite diversion en se transformant soudain en un gros canari. Ah, oh, désolé Neville, s'écria Fred parmi les éclats de rire. J'avais oublié de te dire que les crèmes caramel sont ensorcelées. Quelques instants plus tard, Neville perdut quelques plumes jaunes et retrouva son aspect normal. Il se mit même à rire avec les autres. Crème Canary, annonça Fred à ses camarades de Gryffondor, c'est George et moi qui les avons inventés. Cette morning pièce, c'est une affaire. Il était près d'une heure du matin lorsque Harry, Ron, Neville, Seamus et Dean montèrent se coucher. Avant de fermer les rideaux de son baldaquin, Harry posa son maquillage à pointe miniature sur la table, où le minuscule dragon païen se roula en boule et ferma les yeux. En fait, songea Harry en tirant les rideaux, Hagrid avait raison. Ils étaient finalement très sympathiques, ces dragons. Le début du mois de décembre apporta du vent et de la neige fondue. En hiver, Poudlard était plein de courants d'air. Mais lorsque Harry passait devant le vaisseau de Durmstrang, qui tanguait sous les rafales, les voiles gonflées dans le ciel noir, il était content de se dire qu'un bon feu de cheminée et des murs bien épais l'attendaient au château. Le carrosse de Beaubaton devait être plutôt glacial lui aussi. Il remarqua que Hagrid fournissait aux chevaux de Madame Maxime une bonne quantité de whisky pur malt, leur boisson préférée. Les alcools qui s'échappaient de la porte installé dans un coin aurait suffi à faire tourner la tête de toute la classe de son créature magique, ce qui ne les aurait guère aidés, car ils avaient besoin de toutes leurs facultés pour s'occuper des horribles scouts, et justement le prochain cours était imminent. Je ne sais pas s'ils hibernent ou pas, dit Hagrid à ses élèves qui tremblaient de froid dans le potager aussi trouillé. On va leur installer confort dans leur
verra s'ils ont envie de faire un petit saut. Il ne restait plus que 10 croûtes. Ce n'avait envie et c'est leur désir de s'entretuer. Chacun d'eux mesurait maintenant plus d'un mètre 80. Leur carte puissante et mobile, leur extrémité explosive, leur dard et leur ventouse faisaient d'eux les plus répugnantes créatures que Harry eût jamais vues. Toute la classe contempla d'un air découragé les énormes boîtes que Hagrid avait apportées et dans lesquelles ils avaient disposé des oreillers et d'épaisses couvertures. Voilà, vous n'avez qu'à les faire entrer là-dedans et mettre un couvercle par-dessus. On verra ce qui se passera. Mais la barqueuse Groot n'hibernait pas et n'appréciait guère d'être enfermé dans des boîtes garnies d'oreillers. Allons, pas de panique. Pas de panique, s'écria bientôt Hagrid, tandis que les scouts ravageaient le potager aux citrouilles jonché de débris de boîtes calcinées et encore fumantes. La plupart des élèves, Malfoy, Crabbe et Goyle en tête, étaient allés se réfugier dans la cabane de Hagrid en passant par la porte de derrière et s'étaient barricadés à l'intérieur. En revanche, Harry, Hermione et quelques autres étaient restés avec Hagrid pour l'aider. En conjuguant leurs efforts, ils avaient réussi à récupérer et attacher 9 des 10 croûtes au prix de nombreuses brûlures et égorgures. Il n'en restait qu'un seul en liberté. Ne lui faites pas peur, cria Hagrid, en voyant Ron et Harry lancer sur la créature des jets d'étincelles à l'aide de leur baguette magique. Merci pour le colo, installe-toi bien. Le scout s'avançait vers eux d'un air menaçant, son dard frémissant, formant un arc sur son dos. Essayez seulement de lui passer une corde autour du dard pour qu'il ne puisse pas blesser les autres. Oui, ce serait dommage, s'exclama Ron avec colère. Harry et lui avaient reculé contre un mur de la cabane, tenant toujours le scrout à distance à l'aide de jets continus d'étincelles. Tiens, on a l'air de bien s'amuser ici. Rita Skeeter était appuyée contre la clôture du jardin de Hagrid et regardait le désastre. Elle était vêtue d'une épaisse cape rose foncée avec un col de fourrure violette et portait son sac en peau de crocodile sur les bras. Harry se jeta sur le scout qui avait coincé Ron et Harry contre le mur et l'immobilisa d'un coup de tout son poids. Dans un bruit d'explosion, un jet de feu jaillit à son extrémité, carbonisant les citrouilles qui se trouvaient derrière lui. Qui êtes-vous ? Demanda Hagrid à Rita Skeeter en serrant une corde autour du dard du scout. Rita Skeeter, reporter à la cassette du sorcier, répondit Rita avec un grand sourire. Qui fit étinceler ses dents en or. Mais tant mieux, Matisse s'est pressé et fait exprès pour ça. Je croyais que Dumbledore vous avait interdit de revenir à l'école, dit Hagrid en fronçant légèrement les sourcils. Il se releva et traîna le scout légèrement écrasé en direction de ses congénères. Rita fit semblant de ne pas entendre ce qu'il avait dit. Comment s'appelle cette fascinante créature ? Demanda-t-elle avec un sourire de plus en plus large. Des scrouts à pétard, grommela Hagrid. Vraiment, dit Rita, très intéressée. Je n'en avais jamais entendu parler. D'où viennent-ils ? Harry vit Hagrid rougir sous sa grosse barbe hirsute et ressentit un pincement au cœur. La question se posait en effet. Où, Hagrid, avait-il bien pu se procurer les scrouts ? Hermione, qui semblait avoir pensé la même chose, s'empressa d'intervenir. Ce sont des créatures extrêmement intéressantes, dit-elle. N'est-ce pas, Harry ? Quoi ? Intéressantes, répondit Harry, tandis qu'Hermione lui marchait sur le pied. Tiens, tu es là, Harry, dit Rita Skeeter en se tournant vers lui. Alors tu aimes bien les cours de soins en créatures magiques ? C'est une de tes matières préférées ? Oui, répondit fermement Harry. Hagrid lui adressa un grand sourire. Merveilleux, dit Rita, absolument merveilleux. « Ça fait longtemps que vous enseignez ?» demanda-t-elle à Hagrid. Harry remarqua qu'elle regardait successivement Dean, qui avait une grosse coupure à la joue, Lavande, dont la robe s'était roussie à plusieurs endroits, Seamus, qui essayait de soigner un doigt brûlé, puis les fenêtres de la cabane, derrière lesquelles on apercevait les autres élèves, le nez collé contre les carreaux, pour voir si tout danger était écarté.
deuxième année seulement, répondit Hagrid. Merveilleux. Est-ce que par hasard vous accepteriez de m'accorder une interview pour vous faire bénéficier de notre expérience en matière de créatures magiques? Comme vous le savez sûrement, la Gazette publie une rubrique zoologique chaque mercredi. Nous aimerions bien parler de ces scrotapétards, rectifia Hagrid. Oui, pourquoi pas. Harry trouvait l'idée très bonne. Et il était totalement impossible d'adresser le moindre signe à Hagrid sans que la journaliste s'en apercevât. Il se contenta donc de rester immobile et silencieux, tandis que Hagrid et Rita Skeeter fixaient un rendez-vous aux Trois Palais un peu plus tard dans la semaine pour réaliser une longue interview. À cet instant, la cloche sonna dans le château pour signaler la fin du cours. Eh bien, au revoir, Harry, lança Rita Skeeter d'un ton joyeux. Et à vendredi soir, Hagrid. Elle va déformer tout ce qu'il dira, murmura Harry. Du moment qu'il n'a pas apporté ses scouts illégalement, dit Hermione d'un ton inquiet. Ils échangèrent un regard. C'était exactement le genre de choses que Hagrid aurait pu faire. Hagrid a souvent eu des tas d'ennuis, et Dumbledore ne l'a jamais renvoyé pour autant, fit remarquer Ron, en guise de consolation. Le pire qui puisse arriver, c'est que Hagrid soit obligé de se débarrasser des scouts. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Le pire? Non, je voulais dire le mieux. Harry et Hermione éclatèrent de rire et allèrent déjeuner, en se sentant un peu rassurés. Cet après-midi-là, Harry fut très content d'aller au cours de divination. Il devait toujours établir des cartes du ciel et faire des prédictions, mais maintenant qu'il était réconcilié avec Ron, il pouvait recommencer à en rire. Le professeur Trelawney, qui était si content d'eux lorsqu'il s'était prédit des morts atroces, s'irrita de les voir ricaner pendant qu'elle expliquait les différentes façons dont Pluton s'y prenait pour perturber la vie quotidienne. J'ai tendance à penser, dit-elle, dans son habituel murmure mystique, qui ne parvenait pas à dissimuler son agacement, que certains d'entre nous, elle lança un regard appuyé à Harry, se montreraient un peu moins frivoles s'ils avaient vu ce que j'ai vu hier soir en consultant ma boule de cristal. J'étais assise ici même, absorbée par mes travaux de couture, lorsque la nécessité absolue de regarder la sphère m'a littéralement submergée. Je me suis levée, je me suis installée et j'ai scruté les profondeurs cristallines. Et savez-vous, qui j'ai croisé mon regard au fond de la boule? Une vieille chauve-souris avec d'énormes lunettes, murmura Ron entre ses dents. Harry eut du mal à garder un visage impassible. La mort, mes enfants. Horrifié, Parvati et la honte plaquèrent leurs mains contre leur bouche. Oui, suivit le professeur Trelawney, hochant la tête. Merci pour le nouveau volant, installe-toi bien. D'un air théâtral, elle s'approcha de plus en plus près. Elle tourne au-dessus de nous comme un vautour. Elle vole de plus en plus bas, toujours plus bas au-dessus du château. Elle fixa Harry, qui bâillait longuement et ostensiblement. Elle aurait été un peu plus impressionnante si elle ne nous avait pas déjà fait le coup au moins 24 fois, dit Harry, lorsqu'ils eurent retrouvé un air plus respirable à la sortie de la classe. Si je devais tomber mou, chaque fois qu'elle me l'annonce, je serais un cas médical absolument miraculeux. Une sorte de super concentré de fantôme, dit Ron, en bouffant de rire, tandis qu'il croisait le baron sanglant, dont les grands yeux se posèrent sur eux d'un air sinistre. Enfin, au moins, pas de devoir à faire. J'espère que le professeur Vector en a donné plein à Hermione. J'adore ne rien faire pendant qu'elle travaille. Mais Hermione ne se montra pas pendant le dîner, et elle n'était pas vue. Mais elle n'était pas dans la bibliothèque lorsqu'ils allèrent l'y chercher. Seul Victor Krum s'y trouvait. Ron l'observa derrière un rayon de livres, interrogeant Harry à voix basse pour savoir si, à son avis, c'était le moment d'aller lui demander un autographe. Mais il s'aperçut aussitôt qu'une demi-douzaine de filles, cachées derrière le rayon d'à côté, se posaient la même question, ce qui suffit à refroidir son enthousiasme. Je me demande où elle est passée, dit Ron, alors qu'il retournait avec Harry dans la tour de Gryffondor. Je ne sais pas,
Varibol. Le portrait de la grosse dame avait à peine commencé à pivoter qu'ils entendirent derrière eux des pas précipités qui annonçaient l'arrivée d'Hermione. Harry, s'écria-t-elle, le souffle court, en s'arrêtant à côté de lui, dans un long dérapage. La grosse dame haussa un sourcil et la regarda d'un air étonné. « Harry, il faut absolument que tu viennes. Il s'est passé une chose incroyable. S'il te plaît, viens. » Elle l'attrapa par le bras et essaya de l'entraîner avec elle dans le couloir. « Qu'est-ce qu'il y a ? Je te montrerai quand on sera là-bas. Viens vite. » Harry échangea avec Ron un air intrigué. « Bon, d'accord, » dit-il en suivant Hermione dans le couloir. Se dépêcha de les rattraper. Surtout, ne faites pas attention à moi, protesta la grosse dame d'un ton irrité. Ne perdez pas de temps à vous excuser de m'avoir dérangé inutilement. Je serai ravi de vous tenir la porte grande ouverte jusqu'à votre retour. C'est ça, merci, lui cria Ron par-dessus son épaule. Hermione, où est-ce qu'on va ? Demanda Harry. Hermione leur avait fait descendre 6 étages et dévalait à présent les marches de l'escalier de marbre en direction du hall d'entrée. Tu vas voir, attends une minute, répondit-elle d'un ton surexcité. Elle tourna à gauche, en bas de l'escalier, et se précipita vers la porte derrière laquelle Cédric avait disparu le soir où la coupe de feu avait donné les noms des champions. Harry n'était encore jamais allé dans cette partie du château. Et lui suivirent Hermione qui descendit une volée de marches, mais au lieu de se retrouver dans un sinistre passage, comme celui qui menait au cachot de Rogue. Ils découvrirent un large couloir au mur de pierre, brillamment éclairé par des torches et décoré de tableaux aux couleurs éclatantes, qui représentaient surtout des victuailles. Attends un peu, Hermione, dit lentement Harry, lorsqu'ils furent arrivés au milieu du couloir. Quoi ? Elle se retourna vers lui avec impatience. Je sais où tu nous emmènes, dit Harry. Il donna un petit coup de coude à Ron et montra du doigt le tableau qui se trouvait derrière Hermione. Il représentait une immense coupe d'argent, débordante de fruits. Hermione, dit Ron, qui venait de comprendre à son tour, tu vas encore nous embarquer dans ton sale truc. Non, pas du tout, répondit précipitamment Hermione. Et ce n'est pas sale, Ron. Tu as changé le nom, demanda-t-il en fronçant les sourcils. Comment ça s'appelle maintenant ? Le Front de Libération des Elfes de Maison. Je te préviens, il n'est pas question que j'entre dans cette cuisine pour leur dire d'arrêter de travailler. Pas question. Je ne te demande rien, s'emporta Hermione. Je suis descendu tout à l'heure pour parler avec eux et j'ai vu. Viens, Harry, je vais te montrer. Elle lui saisit à nouveau le bras, le traîna devant le tableau qui représentait la coupe de fruits géante, tendit le doigt et chatouilla une énorme poire verte. La poire se mit à se trémousser et à glousser. Se forma soudain en une grande poignée de la porte couleur verte. Hermione actionna la poignée, ouvrit la porte et poussa Harry en avant d'un geste décidé. Harry eut alors la vision d'une immense salle, très haute de plafond, aussi vaste que la grande salle qui se trouvait au-dessus, avec des quantités de casseroles, de marmites, de poêles en cuivre entassées le long des murs et une impressionnante cheminée au briques à l'autre bout. Presque aussitôt, une petite créature se précipita vers lui en s'écriant d'une voix suraiguë « Harry Potter ! Monsieur Harry Potter !» Il eut le souffle coupé lorsque le petit elfe le heurta de plein fouet au creux de l'estomac et le serra si fort que ses côtes lui semblaient sur le point de se briser. « Dobby ? » balbutina-t-il. « Oui, c'est Dobby, monsieur !» Gouina la petite voix au niveau de son nombril. Dobby a espéré qu'il reverrait Harry Potter, monsieur. Et Harry Potter vient le voir. Oh, monsieur. Dobby le relâcha et recula de quelques pas en lui adressant un grand sourire. Ses énormes yeux verts, de la taille d'une balle de tennis, débordant de larmes de joie. Il n'avait presque pas changé depuis la dernière fois que Harry l'avait. Le nez en forme de crayon, les oreilles semblables à celles d'une chauve-souris. Les doigts et les orteils très longs, tous très épais, sauf les vêtements qui étaient complètement différents. Lorsque Dobby travaillait pour les Malfoy, il portait toujours la même tête grasseuse. Mais maintenant, il était habillé d'une étrange
ce qu'auraient pu porter les sorciers de la Coupe du Monde pour s'efforcer de ressembler à des moldus. En guise de chapeau, il s'était coiffé d'un cache-taillère sur lequel étaient épinglées toutes sortes de pages aux couleurs brillantes. Il portait également une cravate ornée de fer à cheval sur sa poitrine nue, un short qui devait être une culotte de football bon, et des chaussettes dépareillées. L'une d'elles était noire et Harry la reconnut aussitôt. C'était celle qu'il avait enlevée de son propre pied en s'arrangeant pour que M. Malfoy la donne à Dobby par inadvertance. Malgré lui, il avait ainsi offert la liberté à son elfe. L'autre chaussette était à rayures rose et orange. Dobby, qu'est-ce que tu fais là ? Dit Harry stupéfait. Dobby est venu travailler à Poudlard, monsieur, couina l'elfe d'un ton surexcité. Le professeur Dumbledore a donné du travail à Dobby et à Winky, monsieur. Winky, elle est là aussi, s'étonna Harry. Oui, monsieur, oui, s'exclama Dobby. Il prit Harry par la main et l'entraîna dans la cuisine, entre quatre longues tables qui étaient disposées exactement de la même façon que les tables des quatre maisons, dans la grande salle située à l'étage au-dessus. Pour l'instant, elles étaient vides, le dîner étant terminé. Mais Harry supposa qu'une heure auparavant, elles avaient dû être recouvertes de plats que les elfes envoyaient à travers le plat, sur la table des élèves. Il y avait dans la cuisine une bonne centaine d'elfes qui souriaient, s'inclinaient, faisaient la révérence sur son passage. Tous portaient le même uniforme, un torchon à vaisselle, frappé, aux armes de Poudlard et drapé comme une toge. Dobby s'arrêta devant la cheminée et tendit le doigt. « Winky, monsieur, dit-il. » Elle était assise sur un tabouret à côté du feu. À la différence de Dobby, elle n'avait pas cherché à se procurer des vêtements originaux. Elle portait une petite jupe et un corsage avec un chapeau bleu assorti dans lequel elle avait découpé des trous pour lui passer ses grandes. Alors que l'étrange ensemble de Dobby était d'une propreté impeccable, Winky, de toute évidence, ne prenait aucun soin de sa tenue. Il y avait des taches de soupe partout sur son corsage et une brûlure avait fait un trou dans sa jupe. Winky, dit Harry. Les lèvres de Winky se mirent à trembler, puis elle fondit en larmes qui ruisselaient sur ses grands yeux et inondèrent ses vêtements, comme le jour de la Coupe du Monde de Quidditch. La pauvre, dit Hermione, accompagnée de Ron, elle avait suivi Harry et Dobby au fond de la cuisine. Winky ne pleure pas, ne pleure pas. Mais Winky pleurait plus fort que jamais. Dobby, lui, regardait Harry, le visage rayonnant. « Est-ce que Harry Potter voudrait une tasse de thé ?» demanda-t-il de sa petite voix aiguë, en criant presque pour couvrir les sanglots de Winky. « Oui, d'accord, » dit Harry. Aussitôt, une demi-douzaine d'elfes de maison arrivèrent à petits pas près de lui, portant un grand plateau d'argent sur lequel étaient disposées une théière et trois tasses, ainsi qu'un pot de lait et une grande assiette de biscuits. Le service est impeccable, remarqua Ron, impressionné. Hermione le regarda en fronçant les sourcils. Elle avait l'air ravie. Ils s'inclinèrent et repartirent. Ça fait combien de temps que tu es là, Dobby ? Demanda Harry tandis que Dobby le servait le thé. Une semaine seulement, Harry Potter, monsieur, répondit Dobby d'un ton joyeux. Dobby est venu pour voir le professeur Dumbledore, monsieur. Vous savez, il est très difficile pour un élève de maison qui a été renvoyé de trouver un nouveau travail, monsieur. Vraiment très difficile. En entendant ces paroles, Winky se mit à gémir de plus belle. Son couronnet en forme de tomate écrasée coulait abondamment, mais elle ne faisait aucun effort pour arrêter ce flot. Dobby a parcouru tout le pays pendant deux années entières, monsieur, pour essayer de trouver du travail, couina Dobby. Mais Dobby n'a rien trouvé, monsieur, parce que maintenant Dobby veut être payé. Dans toute la cuisine, les elfes de maison, qui regardaient et écoutaient avec beaucoup d'intérêt, détournèrent aussitôt les yeux, comme si Dobby venait de dire quelque chose de grossier et de terriblement gênant. Tu as bien raison, Dobby, approuva Hermione. Oh, merci, mademoiselle, dit Dobby, avec un sourire qui découvrit toutes ses dents. Mais les sorciers ne veulent pas d'un elfe de maison qui demande à être payé, mademoiselle.
ils ont dit « Un elfe de maison n'a pas à recevoir de l'argent. » Et ils ont eu tous claqué la porte au nez de Toby. Toby aime travailler, mais elle veut porter des vêtements et il veut être payé. Harry Potter, Toby aime la liberté. Les autres elfes commençaient à s'éloigner de lui le plus possible, comme s'il était atteint d'une maladie très contagieuse. Winky, en revanche, resta près d'eux, mais ses pleurs redoublèrent d'intensité. Alors, Harry Potter, Toby est allé. Et il a découvert qu'elle avait aussi été libérée, monsieur, dit Toby d'un air ravi. À cet instant, Winky se jeta à plat ventre, tapa de ses petits poings le sol recouvert de dalles et hurlant littéralement des espoirs. Hermione s'agenouilla auprès d'elle pour essayer de la consoler, mais rien de ce qu'elle put lui dire n'eut le moindre effet. Toby poursuivit son récit, sa petite voix perçante, la lamentation de Toby et de Winky. Alors Toby eut une idée, monsieur. Pourquoi est-ce que Toby et Winky ne chercheraient pas du travail ensemble ? C'était dit Toby. Où y a-t-il suffisamment de travail pour deux elfes de maison ? A dit Winky. Alors, Toby a réfléchi et il a trouvé, monsieur, Poudlard. Et donc, Toby et Winky sont allés voir le professeur Dumbledore, monsieur, et le professeur Dumbledore les a engagés. Le visage de Toby resplendissait et les larmes de joie apparurent à nouveau dans ses yeux. Le professeur Dumbledore a dit qu'il allait payer Toby, monsieur. Si Toby voulait être payé. Toby est un elfe libre et il gagne un galion par semaine avec un jour de congé par mois. Ce n'est pas beaucoup, s'indigna Hermione, toujours occupée à essayer de calmer Winky, qui continuait de hurler en martelant le sol de ses poings. Le professeur Dumbledore a proposé à Toby 10 galions par semaine. Et les week-ends libres, reprit Toby, soudain parcouru d'un léger frisson. Comme si la perspective de tant de richesses et de loisirs avait quelque chose d'effrayant. Mais Toby a réussi à faire baisser son salaire, mademoiselle. Toby aime la liberté, mademoiselle, mais il ne veut pas qu'on lui donne trop. Il préfère travailler. Et toi, Winky, combien te paye le professeur Dumbledore ? Demanda Hermione avec douceur. Si elle avait pensé que parler de son salaire serait une façon de consoler Winky, elle fut très vite détendue. Certes, Winky cessa aussitôt de pleurer, mais lorsqu'elle se redressa, le visage ruisselant, elle regarda Hermione d'un air furieux. Winky est un élève déchu, mais Winky n'est pas tombé aussi bas pour se faire payer, grogna-t-elle. Winky a terriblement honte d'avoir été libéré. Dit Hermione sans comprendre. Enfin, Winky, c'est Monsieur Crompton qui devrait avoir honte, pas toi. Tu n'as rien fait de mal. Il était odieux avec toi. Winky plaqua ses mains sur les trous de son chapeau pour s'aplatir les oreilles et ne plus rien entendre, et poussa un hurlement suraigu. N'insultez pas mon maître, mademoiselle. N'insultez pas Monsieur Crompton. Monsieur Crompton est un bon sorcier, mademoiselle. Monsieur Crompton a eu raison de renvoyer la méchante Winky. Winky a du mal à s'adapter à Harry Potter, dit Toby en confidence. Winky oublie qu'elle n'est plus attachée à Monsieur Crompton. Elle a le droit de dire ce qu'elle pense désormais, mais n'ose pas. Les elfes de maison n'ont donc pas le droit de dire ce qu'ils pensent de leur maître, s'étonna Harry. Oh non, monsieur, oh non, répondit Toby d'un air soudain grave. Cela fait partie de l'esclavage des elfes, monsieur. Nous devons garder leurs secrets et nous taire. Nous devons soutenir l'honneur de la famille et ne jamais dire du mal d'eux. Mais le professeur Dumbledore a dit à Toby qu'il n'était pas obligé de respecter cette règle. Le professeur Dumbledore a dit que nous sommes libres de... Toby parut brusquement mal à l'aise et fit signe à Harry de s'approcher. Harry se pencha vers lui. Il a dit que nous sommes libres de le traiter de vieux loufoque complètement cinglé, si ça nous fait plaisir, monsieur. Toby eut une sorte de rire épouvanté. Mais Toby ne veut surtout pas faire ça, Harry Potter, reprit-il d'une voix normale. Il hocha la tête, et ses oreilles remuèrent comme des éventails. Toby aime beaucoup le professeur Dumbledore, monsieur, et il est fier de garder ses secrets. Mais tu peux
dire ce que tu veux des Malfoy maintenant, dit Harry avec un sourire. Une lueur d'inquiétude passa dans les yeux immenses de Dobby. Dobby pourrait, dit-il d'un ton assuré. Il pompa de son torse étroit et reprit. Dobby pourrait dire à Harry Potter que ses anciens maîtres sont de très mauvais sorciers qui pratiquent la magie noire. Dobby resta un instant immobile, tremblant de tous ses membres, horrifié par sa propre colère. Puis, il se précipita vers la table la plus proche et se tapa violemment la tête contre le rebord en criant « Méchant Dobby, méchant Dobby !» Harry attrapa l'elfe par sa cravate et l'écarta de la table. « Merci Harry Potter, merci !» dit Dobby, hors d'haleine, en se frottant la tête. « C'est une question d'entraînement, » assura Harry. « D'entraînement ?» Gwynawyn dit d'un air furieux. « Tu devrais avoir honte, Dobby, de parler comme ça de tes maîtres. » « Ce ne sont plus mes maîtres, Winky, » dit Dobby, d'un ton de défi. Dobby se fiche de ce qu'il pense. « Tu es un très mauvais elfe, Dobby, » gémit Winky, les larmes coulant à nouveau sur son visage. « Pauvre monsieur Groupton, comment fait-il sans Winky? Il a besoin de moi, il a besoin de mon aide. J'ai servi les Groupton toute ma vie. Ma mère les a servis avant moi, et ma grand-mère les a servis avant elle. Oh, que dirait-elle si elle savait que Winky a été libéré. Oh, quelle honte, quelle honte. Oui, Dobby est un elfe libre. Mais ça, c'est un passage libre. Donc, il n'est pas présent dans les films, mais je trouve ça dommage. Elle enlit son visage sous sa jupe et se remit à hurler. Winky, dit Hermione à trois ferme, je suis certaine que Monsieur Groupton se débrouille parfaitement bien sans toi. On l'a, tu sais. Vous avez vu mon mec, dit Winky, d'un ton haletant. Son air de ses grands yeux exorbités. Vous l'avez vu ici, à Poudlard? Oui, répondit Hermione. Monsieur Verpet et lui font partie des juges du tournoi des trois sorciers. Monsieur Verpet est venu aussi, Gwynawyn. À la grande surprise de Harry et Hermione, elle parut à nouveau en colère. Monsieur Verpet est un mauvais sorcier. Mon maître ne l'aime pas. Oh non, il ne l'aime pas du tout. Verpet, un mauvais sorcier, c'est Harry. Oh oui, répondit Winky, en hochant furieusement la tête. On dit des choses à Winky, mais Winky ne répétera pas. Winky garde les secrets de son maître. Elle fondit à nouveau en larmes et enfouit la tête dans sa jupe. Maître, plus de Winky pour l'aider. Il ne parviendra plus à arracher à Winky le moindre parole sensée. Et il continua de bavarder joyeusement qu'ils buvaient leur thé, parlant de ses projets et de ses revenus. Bientôt, Dobby va s'acheter un pull en laine, Harry Potter, dit-il joyeusement en montrant sa poitrine nue. Tiens, justement, dit Ron, qui semblait avoir pris l'elfe en affection. Si tu veux, je te donnerai celui que va me tricoter ma mère pour Noël. Elle m'en envoie chaque année. Ça te dérange pas le violet? Dobby était enchanté. Il faudra peut-être le rétrécir un peu pour qu'il soit à taille, mais il ira très bien avec ton cache d'hier. Lorsqu'ils s'apprêtèrent à partir, de nombreux elfes se précipitèrent vers eux pour leur offrir des choses à emporter. Hermione refusa, visiblement navrée de les voir s'incliner et multiplier les révérences. Mais Harry et Ron remplirent leurs poches de gâteaux à la crème et de tartes. Merci beaucoup, lança Harry aux elfes. Qui s'étaient tous rassemblés autour de la porte pour leur souhaiter une bonne nuit. À bientôt, Dobby. Harry Potter, est-ce que Dobby pourra venir vous voir un jour prochain? Se risqua à demander Dobby. Bien sûr que tu peux, répondit Harry. L'elfe fit un sourire rayonnant. Vous savez quoi, dit Ron, alors qu'il remontait les marches menant dans le hall d'entrée. Pendant toutes ces années, j'ai été impressionné par la façon dont Fred et George arrivaient à rapporter des tas de trucs de la cuisine. Mais finalement, ce n'est pas vraiment difficile. Ils sont prêts à donner tout ce qu'ils ont. Je pense que c'est la meilleure chose qui soit arrivée à ces elfes, dit Hermione. Je veux dire que Dobby soit venu travailler ici. Les autres vont voir à quel point il est heureux d'être libre. Et petit à petit, ils finiront par comprendre que c'est ça qu'il leur faut. Espérons qu'ils n'iront pas voir Winky de trop près, dit Harry. Oh, elle va sûrement retrouver le moral, assura Hermione.
exclamer un tâton qui ne paraissait pas très convaincu. Une fois que le choc sera passé et qu'elle sera habituée à Poudlard, elle verra qu'elle est beaucoup mieux que sans ce groupe-ton. Elle a l'air de beaucoup l'aimer, dit Ron, la bouche pleine. Il venait de Porto dans un gâteau à la crème. En tout cas, elle n'a pas une très bonne opinion de Verpet, fit remarquer Harry. Je me demande ce que Groupe-ton a dit de lui. Sans doute qu'il n'est pas très bon comme directeur du département, répondit Hermione. Et si on regarde les choses en face, il n'a pas vraiment tort, non? J'aimerais quand même mieux travailler pour lui que pour le vieux Groupe-ton, déclara Ron. Au moins, Verpet a le sens de l'humour. Ne dis pas ça devant Percy, dit Hermione avec un sourire. Oh, de toute façon, Percy ne travaillerait jamais pour quelqu'un qui a le sens de l'humour, répondit Ron. Qui s'attaquerait à présent à un éclair au chocolat si les plaisanteries pouvaient danser toutes nues sur le cache d'ailleurs de Dobby sur sa tête, il ne les verrait même pas. Encore un chapitre ce soir, et après on ira au dodo. Chapitre 22. La tâche inattendue. Weasley, pourriez-vous s'il vous plaît faire un peu attention à ce qu'il se passe? La voix irritée du professeur McGonagall claque comme un fouet pendant le cours de métamorphose du jeudi. Harry et Ron sursautèrent. C'était la fin du cours. Le programme du jour était terminé. Les dindes qu'ils avaient transformées en cochons d'Inde avaient été enfermées dans une cage posée sur le bureau du professeur McGonagall. Le cochon d'Inde de Neuville avait encore des plumes. C'était plutôt un cochon d'Inde, comme l'avait fait remarquer le professeur. Ils venaient de recopier leur cahier de texte les devoirs indiqués au tableau noir, décrivaient en donnant des exemples les diverses façons d'adapter les sortilèges de métamorphose au transfert interespèces. Et la cloche n'allait pas tarder à sonner. Harry et Ron, qui s'étaient livrés au fond de la classe à un combat de baguettes farceuses fournies par Fred et George, en s'entendant interpellé par le professeur McGonagall. Ron avait à présent un perroquet en fer blanc et à Harry un haddock en caoutchouc. Si Potter et Weasley veulent bien être assez aimables pour cesser de se comporter comme des enfants de 5 ans, dit le professeur McGonagall d'un regard furieux. Tandis que la tête du haddock tombait par terre, tranchée par le bec du perroquet, je pourrais peut-être vous annoncer une nouvelle importante. Le bal de Noël approche. Il s'agit d'une tradition du tournoi des trois sorciers qui donne l'occasion de mieux connaître nos invités étrangers. Le bal est ouvert à tous les élèves à partir de la quatrième année. Mais vous avez le droit d'y inviter des élèves plus jeunes si vous le souhaitez. Lavin Brown laissa échapper un gloussement suraigu et Parvati Patil lui donna un coup de coude dans les côtes en ayant elle-même le plus grand mal à ne pas l'imiter. Toutes deux se retournèrent vers Harry. Le professeur McGonagall ne leur prêta aucune attention, ce qui lui parut très injuste, lui-même et Ron ayant été rappelés à l'ordre un instant plus tôt. Les tenues de soirée seront obligatoires, poursuivit le professeur McGonagall. Le bal aura lieu dans la grande salle le jour de Noël. Il commencera à 8h du soir et se terminera à minuit. Le professeur McGonagall lança à toute la classe un regard appuyé. Bien entendu, le bal de Noël a toujours quelque chose d'un peu échevelé, reprit-elle d'un ton désapprobateur. La bande se mit à glousser plus fort que jamais. La main plaquée contre sa bouche, un peu de bruit. Cette fois, Harry comprit qu'il y avait de drôle. Quand on voyait le professeur McGonagall avec ses cheveux impeccablement tirés en un chignon serré, il était difficile d'imaginer qu'elle ait jamais été échevelée, dans tous les sens du terme. Ce qui ne signifie pas, poursuivit le professeur McGonagall, que nous tolérons de la part des élèves de Poudlard une conduite plus relâchée qu'à l'ordinaire. Je serais extrêmement mécontente si jamais je voyais une de Gryffondor se comporter d'une manière qui puisse porter atteinte à la réputation de l'école. La cloche retentit
les élèves rangeaient leurs affaires dans leurs sacs et commençaient à partir. Potter, je voudrais vous voir s'il vous plaît, lança le professeur McGonagall d'une voix suffisamment forte pour couvrir le bruit ambiant. Imaginant que cette demande n'était pas sans rapport avec le paddock en caoutchouc décapité, Harry s'avança vers l'estrade d'un air sombre. Le professeur attendit que les autres élèves soient sortis avant de déclarer « Potter, les champions et leurs partenaires. Quel partenaire ?» s'étonna Harry. Le professeur McGonagall le regarda d'un air méfiant, comme si elle le soupçonnait d'essayer d'être drôle. « Votre partenaire pour le bal, Potter, » dit-elle d'un ton glacial. « Votre cavalière. » Harry eut l'impression que quelque chose se contractait du côté de son estomac. « Des cavalières. » Il se sentit rougir. « Je ne sais pas danser, » dit-il précipitamment. « Oh, mais il le voudra bien, » répliqua le professeur McGonagall d'un ton agacé. « C'est justement ce que je voulais vous dire. Il est de tradition que les champions et leurs partenaires ouvrent le bal. » Harry se vit soudain coiffé d'un haut de forme et vêtu d'une queue de pie, accompagné d'une fille habillée d'une de ses robes à fin freluche que la tante Pétunia portait toujours lorsqu'elle accompagnait l'oncle Vernon à un cocktail. « Je ne sais pas danser, » répéta-t-il. « C'est une tradition, » dit le professeur McGonagall d'un ton ferme. « Vous êtes un champion de Poudlard et vous allez faire ce que l'on attend de vous en tant que représentant de l'école. Alors débrouillez-vous pour avoir un partenaire, Potter. Mais je ne... Vous m'avez entendu, Potter ?» coupa le professeur McGonagall d'un ton qui ne soufflait aucune réplique. Une semaine plus tôt, Harry aurait pensé que trouver une cavalière pour un bal n'était rien comparé à l'obligation d'affronter un maquereau à pointe. Mais maintenant qu'il en avait fini avec ce dernier et qu'il fallait inviter une des filles de Poudlard à l'accompagner au bal de Noël, il se demandait si un nouveau combat avec un dragon ne serait pas préférable. Harry n'avait jamais vu autant d'élèves manifester le désir de rester à Poudlard pour Noël. Lui ne quittait jamais le château pour ne pas être contraint de passer des vacances dans la maison de Plouet Drive. Mais jusqu'alors, il avait été un des rares à ne pas vouloir se retrouver dans sa famille. Cette fois-ci, pourtant, tous les élèves à partir de la quatrième année souhaitaient rester. Il n'était plus que le bal en tête. Les filles, surtout, Harry fut stupéfait de voir à quel point elles semblaient soudain nombreuses. Il n'en avait jamais fait attention jusqu'alors, mais à présent, il en voyait partout. Des filles qui gloussaient et murmuraient dans les couloirs, des filles qui se mettaient à hurler de rire quand les garçons passaient devant elles, des filles surexcitées qui comparaient des listes de vêtements pour décider de ce qu'elles allaient mettre le soir de Noël. Pourquoi faut-il toujours qu'elles se promènent en troupeau ? Dit Harry à Ron en voyant passer devant eux une douzaine de filles qui pouffaient de rire. Comment on fait pour en prendre une à part et lui demander si elle veut venir au bal ? Essaye avec un lasso, suggéra Ron. Tu sais déjà qui tu vas demander ? Harry ne répondit pas. Il savait parfaitement à qui il aimerait demander. Mais encore, fallait-il en avoir le courage ? Jo avait un an de plus que lui. Elle était très belle. C'était une excellente joueuse de Quidditch et tout le monde l'aimait beaucoup. Ron semblait deviner ce qui se passait dans la tête de Harry. Ça ne devrait pas être très difficile pour toi. Tu fais partie des champions et tu viens de te battre contre un dragon. Elles vont faire la queue pour t'accompagner. Par égard pour la raison de réconciliation, Ron s'était efforcé de réduire au minimum l'amertume qu'on sentait encore percer dans sa voix. En fait, au grand étonnement de Harry, la suite prouva qu'il avait raison. Une fille aux cheveux bouclés, élève de troisième année, à pouf souffle. Et à qui Harry n'avait jamais parlé de sa vie, lui demanda dès le lendemain d'aller au bal avec elle. Harry fut tellement interloqué qu'il répondit non, avant même d'avoir pris le temps de réfléchir. La fille s'éloigna, vexée, et Harry dut subir les plaisanteries de Dean, de Seamus et de Ron pendant tout le cours d'histoire de la magie. Le lendemain, deux autres filles vinrent se proposer pour l'accompagner au bal. L'une était en deuxième année, l'autre, une élève de cinquième année, avait à sa grande horreur une carrure suffisante pour la semer en cas de refus.
très joli, il faut le reconnaître, dit Ron, lorsque son fou rire se fut atténué. Elle avait 30 centimètres de plus que moi, répondit Harry, encore sous le coup de l'émotion. Imagine de quoi j'aurais eu l'air si j'avais essayé de danser avec elle. Les paroles d'Hermione au sujet de Crum lui revenaient sans cesse en mémoire. Elle l'aime simplement parce qu'il est célèbre. Harry doutait fort que les filles qui lui avaient demandé de l'accompagner eurent la même idée s'il avait été un des champions. Ressentirait-il la même gêne si c'était Cho qui le lui demandait? Dans l'ensemble, Harry devait admettre que, en dépit de la perspective peu réjouissante d'avoir sa vie s'était considérablement améliorée depuis qu'il avait accompli la première tâche. Il s'attirait beaucoup moins de réflexions désagréables lorsqu'il marchait dans les couloirs, et à son avis, Cédric n'y était pas étranger. Il n'aurait pas été étonné que Diggory et ses camarades de pauvres souffles de le laisser tranquille pour le remercier de l'avoir prévenu au sujet des dragons. Les badges vieux Cédric Diggory semblaient également moins nombreux. Bien entendu, Draco Malfoy continuait de les citer des passages de l'article de Rita Skeeter chaque fois qu'il en avait l'occasion, mais il provoquait de moins en moins de rire. Et comme pour renforcer ce sentiment de bien-être, aucun article sur Hagrid n'avait paru dans la Gazette du Sorcier. Lors du dernier cours de soins aux créatures magiques du trimestre, Harry, Ron et Hermione demandèrent à Hagrid comment s'était passée l'interview avec Rita Skeeter. Pour dire la vérité, elle n'avait pas l'air très intéressée par les créatures magiques, répondit Hagrid. Alors, grand soulagement, Hagrid avait renoncé à tout contact direct avec les scouts. Il passait le dernier cours derrière la cabane, assis autour de table très tôt, sur laquelle il préparait de nouvelles sortes de nourriture susceptibles d'allécher les redoutables créatures. Elle voulait simplement que je lui parle de toi, Harry, poursuivit Hagrid à voix basse. Je lui ai dit qu'on était amis depuis le jour où j'étais allé te chercher chez les Dursley. Elle m'a posé des questions du genre « n'ai jamais eu affaire de réflexion en 4 ans » ou « il n'a jamais essayé de chahuter mon cours ». Je lui ai répondu que non, mais elle n'avait pas l'air contente du tout, comme si elle voulait absolument me faire dire que tu étais un horrible cancre. Bien sûr, c'est ce qu'elle veut, dit Harry, en jetant des morceaux de foie de dragon dans un grand saladier de métal. Elle ne peut pas écrire indéfiniment que je suis un pauvre petit héros à la vie bien tragique. Ça finirait par devenir ennuyeux. Elle veut prendre les choses sous un nouveau angle, Hagrid, dit Ron avec pertinence, tout en épluchant des œufs durs de salamandre. Cette fois-ci, vous auriez dû dire que Harry était un dangereux délinquant complètement fou. Mais ce n'est pas vrai, répliqua Hagrid, sincèrement choqué. Tu interviewes Rogue, dit Harry, d'un air maussade. Il lui aurait raconté tout ce qu'elle voulait entendre. Depuis qu'il est entré dans cette école, Potter a consacré la plus grande partie de son temps à dépasser les limites. Ron et Hermione éclatèrent de rire. Il a dit ça, s'étonna Hagrid. Tu as peut-être fait quelques entorses au règlement, Harry, mais tu es quelqu'un de bien. Merci, Hagrid, dit Harry avec un sourire. Vous allez venir au bal le jour de Noël, Hagrid, demanda Ron. J'irai peut-être y faire un tour, oui, marmonna Hagrid. Ce sera sûrement une belle fête. C'est toi qui ouvriras le bal, Harry. Avec qui iras-tu? Je ne sais pas encore, répondit Harry, qui se sentit à nouveau rougir. Hagrid n'insista pas. Au fil des jours, la dernière semaine du trimestre devenait de plus en plus agitée. Des rumeurs sur le bal de Noël couraient de tous les côtés. Mais Harry n'en croyait pas la moitié. On disait par exemple que Dumbledore avait acheté 800 tonneaux d'hydromel à Madame Rosmerta. Il semblait vrai, en revanche, qu'il avait engagé les Bizarre Sisters. Qui étaient exactement les Bizarre Sisters, Harry n'en savait rien, n'ayant jamais eu accès à la station de radio de sorciers. Mais, si l'on en jugeait par l'enthousiasme déchaîné de ceux qui avaient grandi à l'écoute de la RITM, radio indépendante à transmission magique, C'était un groupe très connu. Voyant que tout le monde avait l'esprit d'ailleurs, certains enseignants, comme le petit professeur Flitwick, renonçaient à faire normalement les cours. Le mercredi, Flitwick
autorisa les élèves à jouer à ce qu'ils voulaient et passer la plus grande partie de l'heure à parler avec Harry du remarquable sortilège d'attraction dont il avait usage pour accomplir la première tâche du tournoi. D'autres professeurs ne faisaient pas preuve de la même indulgence. Ainsi, rien ne pouvait empêcher le professeur Pince de lire d'une voix monocorde ses notes sur la révolte des Gobelins. Même sa mort n'avait pas empêché Pince d'enseigner. Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'un événement aussi insignifiant que Noël le détourne de ses habitudes. Il était extraordinaire de voir comment, raconté par lui, les émeutes sanglantes et féroces des Gobelins paraissaient aussi ennuyeuses que le rapport de Percy sur l'épaisseur des fonds de chaudron. Les professeurs McGonagall et Maugrey les firent également travailler jusqu'à la dernière minute de leur cours. Quant à Rock, bien sûr, il était tout aussi impensable d'imaginer qu'il les laisserait jouer pendant son cours que de lui demander d'adopter Harry. Avec un regard mauvais, il leur annonça qu'il passerait le dernier cours du trimestre à tester leur antidote. C'est vraiment un bonhomme, dit Ron, d'un ton amer, lorsqu'ils furent remontés dans la salle commune de Gryffondor. Nous coller un examen le dernier jour, nous cacher ce reste du trimestre avec toutes ses révisions. Ça n'a pas l'air de trop te fatiguer, fit remarquer Hermione en levant les yeux de son cahier de potions. Ron était occupé à construire un château de cartes avec son jeu de bataille explosif. Un passe-temps beaucoup plus intéressant que les châteaux de cartes moldus, car son échafaudage pouvait exploser à tout moment. C'est Noël, Hermione, dit Harry d'un ton nonchalant. Confortablement installé dans son fauteuil auprès du feu, il relisait pour la 10e fois en vol avec les canons. Hermione lui lançait également un regard sévère. J'aurais pensé que tu ferais quelque chose de plus constructif, Harry, même si tu ne veux pas réviser tes antidotes. Quoi, par exemple ? Demanda Harry en regardant Joey Jenkins de l'équipe des canons envoyer un cognard par le poursuiveur des chauves-souris de Fichu Castle. L'œuf, murmura Hermione entre ses dents. Écoute, Hermione, j'ai jusqu'au 24 février pour y penser. Il avait rangé l'œuf dans sa valise et ne l'avait plus ouvert depuis la fête qui avait suivi sa première tâche. Après tout, il lui restait encore 2 mois et demi avant d'être obligé de percer le mystère de ses hurlements. Mais il te faudrait peut-être des semaines pour découvrir ce que ça veut dire, fit remarquer Hermione. Tu vas avoir l'air d'un parfait idiot si tout le monde sait en quoi consiste la prochaine tâche, sauf toi. Laisse-le tranquille, Hermione. Il a bien mérité de se reposer un peu, dit Ron. Il posa les 2 dernières cartes sur le château qui explosa en lui brûlant les sourcils. Bravo, Ron. Tu es très bien comme ça. Ça ira à merveille avec ta tenue de soirée. C'était prêt et George. Ils s'assirent avec eux à la table tandis que Ron se tâtait les sourcils pour essayer d'évaluer les dégâts. Ron, t'emprunter Coquesigre ? Demanda George. Non, il est en train de porter une lettre, répondit Ron. Pourquoi ? Parce que George veut l'inviter au bal, dit Fred d'un ton narquois. Parce qu'on veut envoyer une lettre, espèce de sombre idiot, dit George. À qui vous écrivez comme ça tous les deux ? Demanda Ron. Ne mets pas ton nez dans nos affaires, sinon je te le brûle aussi, répliqua Fred en brandissant ta baguette magique d'un air menaçant. Alors, vous avez des filles pour vous accompagner au bal ? Dit Ron. Tu ferais bien de te dépêcher, vieux. Sinon, il ne restera que les moches, dit Fred. Et vous, vous serez avec qui ? Angelina, dit aussitôt Fred, sans la moindre gêne. Quoi ? S'exclama Ron. Tu lui as déjà demandé ? Tiens, tu fais bien de me le rappeler, dit répondit Fred. Il se tourna et s'écria. Oh, Angelina ! Angelina, qui bavardait près de la cheminée avec Alicia Spinette, leva les yeux vers lui. Demanda-t-elle. Tu veux venir au bal avec moi ? Angelina observa Fred, comme si elle le jugeait du regard. D'accord, dit-elle. Puis, elle reprit sa conversation avec Alicia. Un petit sourire aux lèvres. Et voilà, dit Fred. Ce n'est pas plus difficile que ça. Il se leva en bâillant et ajouta. On ferait peut-être bien de prendre un hibou de l'école. George, viens. Et tous deux sortirent de la salle commune. Ron cessa de tâter ses sourcils. Sur les débris fumants de son château en ruine. Il a raison. On devrait peut-être s'en occuper aussi, de trouver une fille pour le bal. Sinon, on va finir comme
laissa échapper une exclamation indignée. Une paire de quoi? Comment tu as dit? Je préférerais encore me retrouver tout seul que d'y aller avec, disons, Héloïse Mitgen, répondit-il en haussant les épaules. Son acné s'est beaucoup arrangé ces derniers temps, et elle est très sympathique. Elle n'a pas le nez au milieu de la figure, dit Ron. Ah oui, je comprends, répliqua Hermione avec irritation. Donc, en résumé, tu prendras la plus belle vie que tu trouveras, même si c'est la pire des chibis. Oui, c'est à peu près ça, admit Ron. Je vais me coucher, lança Hermione d'un ton sec. Et sans ajouter un mot, elle monta l'escalier qui menait au dortoir des filles. Les responsables de Poudlard, toujours désireux d'impressionner leurs hôtes de Beaubaton et de Durmstrang, paraissaient décidés à profiter de Noël pour présenter le château sous son meilleur jour. Lorsque les décorations furent installées, Harry resta bouche bée. Il n'en avait jamais vu d'aussi splendide. Des stalactites de glace éternelle avaient été fixées au rang des escaliers de marbre. Les traditionnels 12 sapins de Noël de la grande salle étaient ornés de tout ce qu'on pouvait imaginer de plus spectaculaire. Des branches de houx à baies lumineuses ou des hiboux d'or qui possédaient de vrais ululements. Et les armures étaient ensorcelées pour chanter des cantiques de Noël chaque fois que quelqu'un passait devant elles. Entendre chanter « Il est né le divin enfant » par un homme vide qui ne connaissait que la moitié des paroles constituait un moment inoubliable. Merci pour le host, c'est gentil, William. Merci beaucoup. Et merci pour le raid. Du coup, mon alerte de raid ne marche plus, mais tout va bien. Bienvenue le raid, installez-vous bien. À plusieurs reprises, Russard dut faire sortir Peeves à l'intérieur d'une armure où il s'était caché pour remplacer les paroles manquantes par des couplets de sa propre invention qui offraient un échantillon assez éloquent de sa grossièreté. Merci pour le follow. Harry n'avait toujours pas demandé à Cho de l'accompagner au bal. Ron non plus. Censé ouvrir le bal avec les autres champions. Il y a toujours Mimé Géniard, dit-il d'un air lugubre, en parlant du fantôme qui hantait les toilettes des filles au deuxième étage. Harry, il faut simplement serrer les dents et y aller, dit Ron, le vendredi matin, comme s'il s'apprêtait à se lancer de l'assaut d'une forteresse. Imprenable. Quand nous reviendrons dans la salle commune ce soir, nous devrons avoir tous les deux des partenaires, d'accord? D'accord, dit Harry. Mais chaque fois qu'il aperçut Joe ce jour-là, pendant la récréation, à l'heure du déjeuner, et dans un couloir en allant au cours d'histoire de la magie, elle était entourée d'amis. Elle n'allait donc jamais nulle part toute seule. Peut-être devrait-il se mettre en embuscade sur le chemin des toilettes. Mais non, même là, elle semblait entourée d'une escorte de 4 ou 5 filles. Pourtant, s'il ne se décidait pas bientôt, quelqu'un d'autre allait inévitablement l'inviter à sa place. Il eut du mal à se concentrer pendant le cours de Rogue, consacré aux antidotes, et oublia d'ajouter à sa préparation l'ingrédient essentiel, un peso, ce qui lui valut la plus mauvaise note de la classe. Mais Paul lui remontait. Il était trop occupé à rassembler le courage nécessaire pour entreprendre ce qu'il avait décidé de faire. Lorsque la cloche sonna, il prit son sac et se précipita vers la porte. « Je vous retrouve au dîner, » dit-il à Ron et Hermione, avant de monter l'escalier 4 à 4. Il lui faudrait simplement demander à Cho s'il pouvait lui dire un mot en particulier, voilà tout. Il se hâta le long des couloirs pour des délais, la cherchant partout,
et finit par la trouver, plutôt qu'il ne le pensait, à la sortie de son cours de défense contre les forces du mal. Joe, est-ce que je pourrais te dire un mot ? En voyant glousser les filles qui l'entouraient, Harry pensa avec fureur que les gloussements devraient être interdits par la loi et punis d'une porte amende. Heureusement, Joe, elle, ne gloussait pas. D'accord, dit-elle, en le suivant un peu plus loin, là où ses amis ne pouvaient les entendre. Harry se tourna vers elle et sentit une contraction dans son estomac, comme s'il avait raté une marche en descendant l'escalier. Dit-il, il n'arrivait pas à poser la question, c'était impossible, pourtant il le fallait. Joe restait immobile devant lui, en le regardant d'un air perplexe. Les mots s'échappèrent de ses lèvres avant qu'il ait eu le temps d'articuler clairement. Tu venais au bal avec moi ? Pardon, dit Joe. Tu veux venir au bal avec moi ? Répéta-t-il plus intelligemment. Pourquoi fallait-il qu'il rougisse en cet instant ? Oh, dit Joe, qui rougit à son tour. Oh, Harry, je suis vraiment désolé. Et elle semblait sincère. J'ai déjà accepté d'y aller avec quelqu'un d'autre. Ah, dit Harry. C'était étrange. Un instant auparavant, il avait senti ses entrailles se tortiller comme des serpents. Et soudain, il avait l'impression de ne plus avoir d'entrailles du tout. Ça ne fait rien, dit-il. Je suis vraiment désolé, répéta Joe. Ce n'est pas grave, assura Harry. Ils restèrent là, à se regarder un moment. Bon bah, dit enfin Joe. Oui, dit Harry. Alors au revoir, dit Joe, les joues toujours très rouges, et elle s'éloigna. Avant d'avoir pu faire l'effort de s'en empêcher, Harry lança « Tu y vas avec qui ?»« Cédric, répondit Joe. Cédric Diggory. » »« Ah, d'accord, dit Harry. » Ses entrailles avaient fait leur retour, mais il lui semblait qu'elles s'étaient remplies de plomb pendant leur absence. Oubliant complètement d'aller dîner, il retourna à Ballon dans la tour de Gryffondor, la voix de Joe résonnant dans sa tête à chaque marche qu'il montait. « Cédric, Cédric Diggory. » Il avait commencé à trouver Cédric sympathique. Il aurait même été prêt à oublier le fait qu'un jour il l'avait battu au Quidditch, prêt aussi à lui pardonner d'être si séduisant, aimé de tous et le champion préféré de tout le monde. Mais à présent, Cédric lui paraissait comme un pélâtre sans intérêt, qui n'avait même pas assez de cervelle pour remplir un cocotier. Kirland, dit-il d'un air sombre à la grosse dame, le mot de passe avait changé la veille. « Mais bien sûr, mon cher, répondit-elle d'une voix cristalline, en rajoutant guirlande argentée qu'elle portait dans les cheveux. Et le portrait pivota pour le lui entrer. En pénétrant dans la salle commune, Harry jeta un regard autour de lui. À sa grande surprise, il vit Ron assis dans un coin, le visage défait. Ginny se trouvait à côté de lui et lui parlait en essayant apparemment de le consoler. « Qu'est-ce qui se passe, Ron ?» s'inquiéta Harry. Lorsqu'il les eut rejoints, Ron leva les yeux vers lui, une expression d'horreur sur le visage. Pourquoi est-ce que j'ai fait une chose pareille ? Dit-il, effaré. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Quoi ? Dit Harry. Il vient de demander à Fleur de la Cour d'aller au bal avec lui, expliqua Ginny. Elle eut l'air de réprimer un sourire, mais continua de tapoter le bras de Ron avec douceur. Tu as quoi ? Dit Harry. Je ne sais pas ce qui m'a pris, répéta Ron, le souffle court. Qu'est-ce que j'avais dans la tête ? Il y avait des gens tout autour d'elle. J'ai dû devenir fou devant tout le monde. Je venais de la croiser dans le hall. Elle parlait avec Diggory. Et j'ai senti quelque chose qui me poussait. Alors je lui ai demandé. Ron poussa un gémissement et enfouit son visage dans ses mains. Il continua de parler, mais on avait peine à comprendre ce qu'il disait. Elle m'a regardé comme si j'étais un verre de vase. Elle n'a même pas répondu. Alors tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillé et j'ai pris la fuite. Elle est en partie vélane, dit Harry. Tu avais raison. Sa grand-mère en était une. Ce n'est pas ta faute. J'imagine que tu es passé à côté d'elle pendant qu'elle faisait agir son charme magique pour plaire à Diggory. Et tu as dû prendre une décharge. Mais de toute façon, elle perdait son temps avec lui. Il va au bal avec Cho Chang. Ron releva la tête. C'est elle qui me l'a dit, précisa Harry d'un ton éteint. Je viens de lui demander de m'accompagner. Ginny
dit Cessa soudain de sourire. C'est fou, dit Ron. On est les seuls à n'avoir personne à part Neville. Devine à qui il a demandé. Hermione. Quoi ? Dit Harry, soudain distrait de ses sombres pensées par l'étrange nouvelle. Oui, c'est drôle, non ? S'esclava Ron dont le visage commençait à reprendre des couleurs. Il m'a raconté ça après le cours de potion. Il a dit qu'elle avait toujours été gentille avec lui, car qu'elle était dans son travail et tout ça. Mais elle lui a répondu qu'elle était déjà prise. Ah, tu parles. Elle ne voulait pas y aller avec Neville. D'ailleurs, qui voudrait ? Arrête de rire, dit Ginny, agacée. À cet instant, le portrait de la grosse dame pivota et Hermione entra dans la salle commune. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu dîner ? Demanda-t-elle en s'avançant vers eux. Parce que... Oh, arrêtez de rire tous les deux. Parce qu'ils viennent de se faire envoyer promener par les deux filles à qui ils ont demandé de les accompagner au bal, dit Ginny. Harry et Ron cessèrent de rire aussitôt. Merci beaucoup, Ginny, dit Ron avec aigreur. Alors toutes les bonnes filles sont prises, dit Hermione d'un ton hautain. Et Louise McGann commence à être très jolie, non ? Enfin, je suis sûre que vous finirez par trouver quelqu'un, quelque part, qui acceptera de vous accompagner. Mais Ron regardait à présent Hermione comme s'il la voyait soudain, sous un tout nouvel angle. Hermione, dit-il, Neville a raison. Après tout, tu es une fille. Quel sens de l'observation ? Lança Hermione d'un ton acide. Alors tu n'as qu'à venir avec l'un de nous deux. Non, impossible, répondit-elle sèchement. Allez, arrête, dit Ron d'un air agacé. On a besoin de cavalières. On va avoir l'air vraiment idiot si on n'en a pas. Tous les autres, non. Je ne peux pas venir avec vous, dit Hermione qui rougissait à présent. J'y vais déjà avec quelqu'un d'autre. Tu parles, s'exclama Ron. Tu as dit ça simplement pour te débarrasser de Neville. Ah, tu crois ? Répliqua Hermione avec un regard qui jetait des éclairs inquiétants. Ce n'est pas parce que tu as mis 3 ans à t'apercevoir que d'autres, ont vu tout de suite que je suis une fille. Ron la regarda, puis il sourit à nouveau. D'accord, on sait que tu es une fille, dit-il. Ça te va ? Alors, tu es d'accord pour venir avec nous maintenant ? Je t'ai déjà dit que c'était impossible, répondit Hermione avec colère. Je vais au bal avec quelqu'un d'autre. Et elle se précipita dans l'escalier qui menait au dortoir des filles. Elle ment, assura Ron en la regardant partir. Non, dit Ginny. Alors avec qui elle y va ? Je ne lui dirai pas, ça la regarde. Très bien, dit Ron désemparé. Tout ça devient franchement idiot. Ginny, tu n'as qu'à y aller avec Harry et moi. Et je ne peux pas, dit Ginny en devenant écarlate. J'y vais avec Neville. Il me l'a demandé quand Hermione lui a dit non. Et j'ai pensé, enfin tu comprends, sinon je n'aurais pas pu y aller du tout. Je ne suis pas en 4e année. Elle semblait totalement déconfite. Je crois que je vais aller dîner, dit-elle, en s'éloignant vers le portrait de la grosse dame. Ron regarda Harry dans les yeux avec les yeux ronds. Qu'est-ce qui leur prend ? Et la vente entrée dans la salle. Le moment était venu de prendre des mesures énergiques. Attends-moi ici, dit-il à Ron. Il se leva, s'avança d'un pas décidé vers Parvati et lui demanda : Parvati, est-ce que tu veux aller au bal avec moi ? Parvati fut saisie d'une crise de gloussement et Harry dut attendre patiemment qu'elle ait terminé, croisant les doigts dans les poches de sa robe de sorcier. Oui, c'est d'accord, répondit-elle, le teint cramoisi. Merci, dit Harry soulagé. Lavande, est-ce que tu veux bien y aller avec Ron ? Elle y va avec Seamus, répondit Parvati. Et toutes se remirent à glousser de plus belle. Harry soupira. Tu n'as pas une idée pour Ron ? Demanda-t-il, en baissant la voix pour que Ron ne puisse pas l'entendre. Pourquoi pas Hermione Granger ? Suggéra Parvati. Elle y va avec quelqu'un d'autre. Parvati sembla surprise. Oh, qui ça ? Dit-elle avec curiosité. Harry haussa les épaules. Aucune idée, avoua-t-il. Alors, pour Ron. Eh bien, dit lentement Parvati. Je pense que ma sœur pourrait. Padma, tu la connais. Elle est ta sœur d'aigle. Je lui demanderai si tu veux. Oui, ce serait parfait, dit Harry. Tu me donneras sa réponse, d'accord ? Et il retourna auprès de Ron, en se disant que le bal ne valait sûrement pas la peine de se donner tout ce bal. Il espérait qu'au moins, Padma Patil aurait le nez au milieu de la figure. Et voilà les loups, c'est tout pour ce soir. Le prochain chapitre sera dimanche, ce sera du coup le bal de Noël.
beaucoup de GCT passé du coup. Du coup, je vais voir si je peux peut-être vous faire un raid vu que vous êtes neuf. Je vais voir qui c'est qui stream de l'ASMR. Hop. Merci. Hop, hop. Alors, on a qui? Parce que j'en connais pas beaucoup, je vous avoue. Les pings en vous abonnant. Merci en tout cas au nouveau follow. Merci beaucoup pour le raid, ça fait super.